petit récapitulatif par rapport à la dernière fois. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter. On en a déjà fait la plupart des choses. Quoi. Donc, bah, ça se résume vite. Hein, ouais. Ouais, ouais. Vous avez passé du temps avant de vous lancer, à observer, à vous approcher, à vous demander ce que vous alliez faire. Vous êtes resté planqué longtemps pour voir les allées et venues. Après, vous êtes rapproché progressivement de la villa pour être à 500 mètres, pour rester à 100 mètres. C'est là que Yona est partie. Se planquer. Alors vous lui avez indiqué un endroit qui était la villa la plus proche, on va dire, de celle qui était visée, qui était à, allez, on va dire, à une cinquantaine de mètres. Lui, il est parti un peu plus loin. J'ai pris un meilleur angle de tir. Un meilleur angle de tir, c'est évident. Voilà. Dans l'épisode précédent, il y avait aussi un fait qui n'était pas anodin, et c'est que vous avez éliminé les deux insurgés, c'est-à-dire votre copain Fernando. Je vous avais conduit jusque au premier repère des insurgés à la raffinerie, et puis une fille, une jeune insurgée qui s'appelait Jones. Vous les avez laissés au bon soin de Zmieszewski parce que ça m'a pas Hammer beaucoup plus hésité. Ouais, c'est vrai. Et donc. Et donc après, vous êtes arrivé là où vous êtes, quoi. Vous avez pris le meilleur angle d'attaque de cette villa, c'est-à-dire vous avez abordé par le meilleur des endroits où vous pouvez entrer, en tout cas de ceux que vous connaissiez, et vous avez fait le tour, vous avez éliminé les adversaires qui étaient à l'extérieur, relativement assez discrètement, mais dès que Chaplin a réussi à ouvrir la porte, vous vous êtes répartis en deux groupes, mais vous êtes aperçu qu'il y avait déjà du remue-ménage à l'intérieur de cette bâtisse. Il y avait un corps qui dévale les escaliers juste au moment où vous entrez. Pareil, au moment où Chaplin ouvre la porte, on entend des coups de feu qui viennent de l'étage et des cris de femmes. C'est Mason et Dante et Silva qui montent à l'étage. Pendant que Hammer et Chaplin s'occupent d'insurgés qui étaient en train certainement de faire quelque chose, mais vous les avez surpris dans ce qu'ils étaient en train de faire, et donc vous avez sans doute pas remarqué ce qu'il en était, et tout de suite des coups de feu ont été échangés parce que voilà. Il y a quand même certains points qui ont été relevés par Chaplin, comme quoi il y avait très peu d'échanges. Avec les Tokis, dont deux Tokis que vous aviez récupérés vous-même. Et donc, étrangement, il y avait eu très peu d'échanges. Et quand les insurgés se sont mis à prendre la poudre d'escampette, ou en tout cas à essayer de le faire, ceux qui étaient à l'extérieur, en prenant les véhicules, vous n'avez rien entendu par ces Tokis. Voilà. Et donc le combat battait son plein à l'étage inférieur. Grenade et fusil d'assaut. Où est-ce qu'on en était de Botox, au fait? On l'avait pas sorti encore. Non. Botox, c'est... ça tire les traits. Imre Botos est toujours... Botos. Imre Botos est toujours là. Oui, mais il était abîmé ou on l'avait pas du tout... Non. Il n'avait pas du tout été abîmé. Le dernier jet de grenade qui avait été fait dans sa direction lui avait quasiment rien fait. Et en tout cas, c'est à Chaplin de jouer. Et donc, on va voir ce qu'il en est. Sur la map. Ah, c'est bien, t'as conservé le turn order. Ouais. Donc, c'est à Chaplin. C'était moi ? Ouais, c'était à toi. Donc, tu vois, avec toutes les grenades, les grenades successives qui ont été balancées, et les tirs de Hammer au Smart Gun, ça a bien défouraillé dans la pièce, donc il y a
une poussière de plâtre, de placo, ou je ne sais quoi, qui vole dans tous les sens, certainement des plumes du fauteuil ou de la mousse, pareil, qui se balade un petit peu partout, de la poussière, enfin, c'est un peu le chaos à l'intérieur. Quand tu passes la tête, tu vois du mouvement. Quand tu cherches des yeux, Botas, là où il s'était planqué, tu ne le vois pas. Il est plus à l'endroit où il s'était planqué, mais par contre, tu vois juste comme si il avait relevé une trappe ou quelque chose comme ça, et tu te doutes qu'il a disparu sous cette trappe. Et effectivement, ça te rappelle quelque chose. Ils étaient en train de tirer un tapis quand vous êtes rentré, et c'est certainement par là qu'il a disparu. Je me rappelle qu'il fouillait un truc au sol quand on est rentré. Ouais. Et donc là, tu ne vois plus, mais tu vois cette trappe qui est ouverte, par contre. Mais il nous reste la jeune femme, là, non ? Et cette trappe qui est ici, quoi. Elle est dans ce coin-là. Au niveau de la nana, elle est ? Ah ouais, tu vois que la nana, hop, elle passe la tête, elle regarde aussi. Elle est encore en combat. Hein. Bon, j'essaye de lancer la grenade dans la trappe. Ok. Vas-y. Alors la visibilité est moindre, donc soit tu t'appliques un malus de moins 2, soit il te faudra plus de réussite. Je te laisse le choix. Viser juste. Ouais, je peux faire un malus de moins 2 si tu veux. Mmh. Ouais. C'est custom roll, base 9. Il faut que tu fasses requête de modificateur. Voilà. Oui, mais ça je l'ai coché, ouais, ça y est. Ouais, donc après t'es plus dans custom roll, tu vas cliquer normalement pour lancer sur grenade. Sur ton arme. Ah oui, sur la grenade. Comment ça? J'ai pas grenade en. T'as pas en grenade. Tu peux la mettre, donc c'est grenade HDE M40. Ça fait 1 de dégâts si tu touches portée moyenne. Ah bon, moi j'ai 9 de dégâts. Alors ça c'est la puissance. Donc c'est ce que je disais, c'est si tu arrives à cibler et à toucher ta cible, tu lui infliges un de dégâts. Et après la puissance c'est 9, dès que tu jettes après. Pardon. Portée moyenne et bonus, il y a quelque chose ? Non, il y a bonus 0. OK. Moins 2 donc. Ouais, c'est parti. Alors, tu n'arrives pas à voir la trappe, mais ça tombe quand même à proximité. Et donc, cette bonne femme qui est là va se prendre les dégâts de plein fouet. Tu vois que elle passe la tête au moment où la grenade arrive, tu vois qu'elle se renfonce dans son coin pour essayer de lui échapper, mais elle était déjà amochée par les tirs de Hammer, ça va être compliqué pour elle de s'en sortir cette fois. Donc cette fois tu peux faire les dégâts de puissance 10 avec un custom roll. Et puissance 9 avec un custom roll. Donc, j'arrive à mettre tout ça sur la même. Elle se protège pas bien. Trop lente. J'entends un cri. Et l'autre qui est en dessous avec 10 dans le tour d'initiative, il était pas shooté lui ? Il me semble qu'il est dead. Il est dead sur la carte. Ouais. Si, il est mort. Parce que il reste plus que Botos qui est parti. Ouais. Et donc, c'est à cette femme de jouer, mais qui n'est plus là, c'est à Mason. Donc, on va remonter à l'étage supérieur. Oui. Et du coup, il faut mettre. Chaplin, t'as quand même une action, il te reste quand même une action de mouvement. Tu peux te déplacer après avoir lancé cette grenade. Je peux aller vers le milieu de la pièce, vers la trappe ? Ouais, j'y vais, mais en étant quand même prudent. J'ai pris mon arme de service. Mmh.
et je me rapproche de la trappe du coup. Ouais, et quand tu regardes à l'intérieur, forcément tu ne vois plus de traces de Bottas, il a dû déjà s'éloigner, tu vois que ça a l'air de ressembler à un vide sanitaire qui doit passer sous la maison. Ok, bah je vais attendre que Hammer me rejoigne. Quand t'es là, tu peux faire un test d'observation ? Ah oui ? Quand même ? Ouais, ouais. Sans malus cette fois. Sans malus, ouais. Ça va être auditif. Oh, mais putain. J'ai encore les grenades ont trop résonné dans mes oreilles. La femme que tu viens de dessouder, tu vois, qui est ici, t'as l'impression qu'elle bouge encore. T'as entendu un bruit derrière toi, tu te retournes, tu la vois, elle a l'air d'être inerte sur le sol, mais t'as l'impression que voilà, il y a eu un mouvement par là. Elle est peut-être encore en vie. Bon bah je vais m'approcher d'elle alors. Ok. Donc on passe à Mason. Mason, t'es en haut. Oui, que... donc j'ai vu rentrer Silva. T'as vu rentrer Silva. Là, de là, tu ne dois pas voir Volzik. Là, tu ne dois pas la voir, mais tu vois que Silva, elle essaye de mettre ses mains, pas avec son flingue. Elle pointe pas son flingue sur Volzik, elle l'a en main. Elle a son fusil en main, mais elle l'a levé presque en l'air, tu vois, pour dire, pour essayer de calmer le jeu. Et tout, elle, mais... tu arrives à la voir dans le coin. Tu vois que la pièce est très sombre. Dans celle dans laquelle tu es, et elle s'approche de Volzik. Pour le moment, sans trop rien dire. Si tu veux agir, c'est à toi. Est-ce que dans cette pièce, les volets, est-ce que c'est des volets tempête? Est-ce que si je tirais dedans, ça permettrait de les éclater pour apporter un peu de lumière non. Et peut-être donner une vue à Yona ou pas du tout? Non, pas du tout, parce que c'est des volets métalliques, donc tu vas faire des trous. D'accord. Mais c'est tout okay. Ce que tu vas faire. Du coup, j'essaie de voir un petit peu ce qui va se passer avec Silva, parce que pour l'instant, on peut pas tuer Volzik, je peux pas tirer dessus, parce que je sais qu'elle est super étrange, elle a du liquide noir un peu partout, mm-hmm. Donc ça me plaît pas beaucoup. J'essaie de tâtonner, tu vois, au niveau de l'entrée de la porte, voir si je trouve pas un interrupteur ou une connerie du genre. Ouais, en passant ta main ? Bah oui. Yeah. Tu fais un test d'observation ? Ça va être de l'observation sans les yeux, hein. Ça va être au toucher. Moins 2. Ouais. Bon, c'est moins 6. Ah ouais, tu commences à mettre tes doigts au niveau de la prise comme ça, et tu t'aperçois que en fait tu viens que de toucher des fils. Et donc tu te prends un coup de jus comme ça, c'est comme si on avait arraché l'interrupteur, comme si on voulait pas de lumière dans cette pièce. Tu sais pas qui, mais en tout cas tu te prends un coup de jus comme ça et qui te fait reculer et peut-être même pousser un petit cri. Et ouais. Et tu vas avoir un malus de -2 sur tes tests d'agilité. Pas mettre ses mains n'importe où. Tu vois que Dante, il regarde Volzik, et tu vois que tout doucement, il baisse aussi son fusil. Il baisse, quoi. Et il a l'air de regarder dans la direction de Volzik, presque comme s'il était hébété. Alors, tu l'as déjà vu dans des drôles d'état, mais celui-là, pas encore, mais après... Est-ce que ça t'étonne particulièrement ? Je ne saurais le dire. Est-ce que Silva a eu le même comportement, enfin la même réaction un peu suspecte, un peu bizarre, un peu comme si Volzik agissait sur eux, tu vois, de façon psychologique ? Est-ce que c'est un ressenti que je pourrais avoir justement en voyant les deux agir de la même façon ? Peut-être, tu pourrais te dire ça, mais si tu avais réussi un test d'observation, tu pourrais en être certain, mais tu ne saurais pas dire. Silva a l'air de lever les mains. Dante, lui, a l'air de baisser son arme, tu vois. Il y a quand même une différence. Ok. Hammer. Ah, faudrait que tu rajoutes Yona. Tiens, tu peux te rajouter avec Yona dans le turn order en faisant un test d'initiative. Ok.
tu vas agir après, après Hammer. Oui, du coup, moi, j'ai toujours l'arme à la main. Je lance un Mayday, Mayday, Botos s'enfuit. Que faisons-nous ? Et puis, tu fais autre chose ? En même temps. Ça fait une action rapide, j'imagine. Oui, c'est pas grand, c'est du pas grand chose. Quoi. Ok, donc et puis je m'approche pareil de la. Si tu fais pas usage d'une compétence, tu vois, généralement c'est une action gratuite même, tu vois. Ouais. Non, mais je lance un MD pour attendre les ordres et puis je m'approche de la pièce arme à la main puisque voilà, je m'approche de la trappe et j'attends les ordres quoi. T'as une réponse de Jmieszewski, il veut toutes les défoncer. Un truc comme ça, un peu dingue. Et il y a Yona qui t'entend par contre. T'as pas de réponse de Silva. Mais par contre, tout le monde l'entend sur ses coms. Et personne répond. Enfin, pour l'instant. Pour l'instant, non. Sauf si Mason veut dire quelque chose, ou Chaplain, ou Yona. Bah, moi, je suis avec. Je l'entends faire. Enfin, ouais, je suis à côté. Je suis à côté. Ouais. Je t'entends, mais tu vois, c'est pas du tout ma priorité pour l'instant. Donc. Tu veux faire quelque chose d'autre, tu peux Hammer. Là, t'as fait une action rapide. Je me rapproche, ouais, de la trappe, et puis arme à la main, je vérifie que. Alors, tu vois que c'est une trappe dans laquelle il faut se déplacer à quatre pattes. Donc, ça veut dire que Botos, en se déplaçant à quatre pattes comme ça, ne doit pas être non plus très très loin, quoi. Ah ouais, puis moi je suis Mastoc. Est-ce que j'ai une lumière au bout de mon arme ? Ouais, oui. Donc du coup je l'éclaire et puis j'éclaire le trou, quoi. Tu te mets à quatre pattes pour. Il faut se mettre à quatre pattes pour éclairer le trou. Ah bah oui, parce que tu quand tu regardes au-dessus, tu vas voir aller peut-être à un mètre tout autour, mais pas plus, quoi. Ah ouais. Si tu veux aller voir plus loin ce qui se passe, il faut te mettre à quatre pattes. Ouais, mais je dois vérifier juste en amont. Aller dedans, que il est pas en train de m'attendre, quoi. Ah oui, c'est ça. Donc j'essaie d'éclairer en fait, et puis quitte à ce que je me rapproche du trou. Oui, alors enfin à quatre pattes, mais dehors, tu veux dire. Tu peux faire un test d'observation. Ouais, de dehors, oui. Oui, voilà, on est d'accord. Observation. Et ben voilà. Heureusement, ouais, c'est pas grave, c'est Chaplain. Ouais. Et donc, ouais, t'as l'impression qu'il est pas loin, qu'il t'attend, quoi. C'est pour toi, il doit être sous Chaplain. Sous le sol, quoi, mais il est au niveau de Chaplain, mais juste en dessous de lui. Quoi. Mais j'entends quand même un bruit de déplacement ou ouais, j'entends clairement que ça, comme si on rampait, quoi, on rampait ou on se déplaçait en dessous. Quoi. Ok. Pour toi, ça vient de là où Chaplain. Ok, mais je sais que si je descends de la trappe, je l'ai pas tout de suite en visu, quoi. Là, tu saurais pas dire ce qui t'attend si tu descends. J'ai pas la longueur, ok. La distance, pardon. Un facehugger et puis t'es en stress. Alors n'oubliez pas que vous pouvez aussi arrêter le stress d'un compagnon avec un test de commandement. Ça veut dire par exemple Mason, on peut le calmer. Il a moins 2 sur ses tests d'agilité, mais quelqu'un peut réussir à le calmer en lui intimant des ordres de se reprendre. Oui, et puis moi je stresse aussi parce que je sais pas s'il faut y aller ou pas, les ordres ne viennent pas, et voilà quoi, donc... Oui, t'as des tremblements. Ça commence à la fois à m'agacer et à m'énerver, quoi, et à me stresser. Hein. Bah, il se mord les lèvres, certainement, Hammer. Ouais. Yona. Peut-être même un juron, quelle bande d'incapables. Alors Yona, toi t'es loin et dans la jumelle de ton fusil, t'es à peu près, je sais plus si j'avais dit 100 ou 150 mètres, mais 150 mètres. 150, exactement. Ouais. Tu vois ce qui se passe, hein, clairement, dans la lunette de ton fusil. Tu vois que Jmieszewski fonce sur le portail avec le véhicule. Tu sais pas trop ce qu'il fait, ce qu'il essaye de faire, c'est un petit peu compliqué, quoi. Il a l'air plus de bloquer la porte qu'autre chose et d'empêcher
Mais est-ce qu'il fait des marches arrière, marches avant, comme s'il souhaitait défoncer le portail Ouais, c'est ça, mais quand tu le vois, pour toi, il a l'air de mal s'y prendre. Quoi. Tu te dis, attends, tu veux défoncer le portail, tu prends un gros recul et tu fais une grosse avancée, là, il va mettre trois plombes. Quoi. D'accord. Depuis que je suis sur le toit, moi, je fais plus rien depuis que j'ai qu'ils sont rentrés. Les véhicules, j'ai cru comprendre qu'il y avait des insurgés qui essayaient de prendre des véhicules et de se barrer. Ouais, ouais. Ils sont coincés. Qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, ils se sont avancés jusqu'au portail, quoi, dans l'espoir de pouvoir partir. Mais on se rend compte qu'il y a un véhicule qui abîme le portail de l'autre côté, quoi. Et donc, ce qui les empêche de sortir. Bon. En fait, très vite, tu les as vus partir. Dès que tu as vu tes compagnons rentrer à l'intérieur de la maison. Ils sont sortis en quatrième vitesse et t'as vu, il y en avait qui prenaient les véhicules, enfin ils essayaient tout de suite de se barrer, étrangement. Dès que Chaplin a ouvert la porte, ils ont pas essayé de combattre, ils ont essayé de fuir. Donc là, ce que je fais, moi, je reste en surveillance. Si j'ai l'occasion de shooter un type, je shoot. Hein. Ouais, bah vas-y, fais-le, clairement. Parce que tu vas avoir l'occasion. Ouais. Après, dès que j'aurai l'info de Hammer qui me dit que Botos tente de fuir, je resterai attentif à ce qu'il peut sortir de la maison. Alors, je suis pas censé savoir qui part par une trappe, mais en tout cas, je serai attentif. Voilà. Et sinon, je tire donc sur un des fuyards. Donc je vise pas, là, je fais mon shoot normal. On peut dire que si, en fait, comme tu te déplaces pas, t'as toujours la possibilité de viser, donc t'as la possibilité d'avoir un bonus de plus 2 sur ton tir. Après, toi t'es à portée. Ah oui, j'avais dit que t'avais un malus de moins 2 sur ton jet à cause de la neige qui tombait, l'obscurité, le blizzard et tous les trucs comme ça. Donc en fait, ton bonus et ton malus s'annulent, quoi. Donc tu fais un tir normal. Ok. Donc je fais un test de panique. Décidément. Oh non. Ça, c'est pas bon. Non, ça tremble aussi. C'est le stress. Hein. Est-ce que je le dézingue quand même, le gars? T'arrives à en toucher un, c'est sûr. Est-ce que tu le dézingues? Non, tu le dézingues pas. Mais t'as réussi à en toucher un. Okay. Il doit être calmé quand même, parce que perce armure, ça divise l'armure par deux. L'armure par deux, d'ailleurs je ne l'ai pas fait, je vais le faire. Bon, je réenclenche un chargeur. Hein. Donc oui, son armure ne lui fait rien du tout. Tu peux me faire aussi un test d'observation? Pas de panique. Là, il faut pas augmenter normalement? Non. En fait, tu augmentes juste que lorsque le c'est indiqué dans le résultat du test de panique. D'accord. Donc là, je sais pas ce que quand j'ai tu fait pousses. Comme GD. Ah mais c'est que j'ai pas eu de bol tout à l'heure, d'accord, ouais, j'avais fait 6, ok. Donc là tout va bien, enfin tout va bien. Je suis toujours sous l'effet des tremblements, mais j'ai rien de plus. Et je rate. Et je ne peux pas pousser. Ben, on en revient à toi. Moi je suis à côté de la nana qui est blessée là. Je regarde ce qu'elle a, je regarde déjà si c'est une humaine ou une synthétique pour qu'elle soit encore en vie. Ça me surprend. Tu t'abaisses sur elle pour tester les constantes ou quelque chose comme ça, ou tu la regardes juste avec flingue braqué? Je garde mon flingue braqué et je m'approche, mais avec prudence quand même, parce que j'ai pas envie qu'elle me saute ou qu'elle me donne un coup de poignard ou quelque chose. Donc si je vois qu'il y a un mouvement, tu vois, je suis quand même vigilant, quoi. Ouais.
Je fais quoi? Je fais un... Non, non, tu fais rien de particulier, tu t'abaisses sur elle et avec ton flingue. Il se passe rien, donc t'approches ta main. Elle est morte. Elle est morte, mais... Mais il y a un bruit dedans. Mais il y a un bruit et le oh là bruit là, là je commence à prendre mon lance-flamme du coup. Non non, le bruit il vient pas de cette femme. Le bruit il vient des chiottes qui sont juste derrière. Là, ici. Ouais là. Je prends quand même mon lance-flamme. Et tu vois qu'elle sort. Elle sort avec un rictus. Et elle a une grenade dans la main, tu la reconnais tout de suite. C'est Jones. C'est la fille de la raffinerie. Celle que Jmieszewski était censé descendre. Toi ouais. Qui ne voulais pas qu'elle soit tuée, est servie parce qu'elle est en face de toi. Et donc tu reprends le lance-flamme comme ça. En la braquant, mais tu vois que elle a quelque chose dans la main. Elle te regarde avec un sourire fou et fanatique, et elle commence à lâcher quelque chose par terre, un sac. Une grenade s'en échappe. Celle-là est dégoupillée. Et elle te regarde en riant presque. Alors que je me précipite en bondissant en direction de Hammer pour essayer d'être protégé par le mur. Quoi. Ok. Par là. J'essaye de m'éloigner. Je fais le saut le plus athlétique que je puisse faire. Je fais quoi pour ça? Mobilité. Tu fais mobilité, ouais. Et donc tu vois Chaplin qui passe à toute vitesse, Hammer, tu comprends pas trop ce qui se passe. C'est ce que j'allais dire. Si je peux, je crie à couvert. Mais voilà, c'est tout ce que je peux faire. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Parce que du coup, c'est pas mon tour, donc Non, 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 tu vas pas avoir le temps de réagir. Tu vois Chaplin de toute façon qui peut difficilement aller plus loin que là où il est, mais il a réussi à plonger presque. Ouais, derrière cette table basse, entre le fauteuil et la table basse, quoi. Alors que il y a une déflagration qui retentit d'un petit peu partout. Alors ça va faire très mal, mais vous êtes protégé, on va dire, par ce mur là, donc qui va vous offrir qui est assez épais et qui vous offre une protection de 5. En plus de votre protection, à vous. Donc vous êtes protégé à 11. Plus 5. Voilà. Par contre, je vais vous faire très mal cette fois. Ouais. Ça va exploser très fort. Ça sent le sac de grenade, le truc. Ouais. Balance déjà ta grenade. Si j'avais su, je l'aurais fait moi-même, quoi. Ça va, c'est gérable. Donc il y a 4 de dégâts. Oui, donc il faut messieurs, avec ma protection. Donc, lancez vos protections. Donc j'avais dit 6 plus 5, j'ai... 11. Ouais. Pardon, j'ai foiré, j'ai oublié de faire plus 5. Bah on rejette 5 à la limite. En custom roll, comme ça, tu gardes un. Oula, Hammer, ça a picoté. Ah ouais. Plus que même. Ouais. D'ailleurs, il me restait 4 mois en santé. Ouais, heureusement. Et du coup, Chaplin, tu t'encaisses 2. Donc, tu perds quand même 2 sur ce coup-là. 2 en santé ? 2 en santé, ouais. La vache. Sur les 4 que son sac de grenade inflige. Et moi je vais m'écrouler. Et toi tu vas t'écrouler, ouais. Donc tu vas pouvoir faire tout de suite lancer un dé 66. Évite de faire 66 d'ailleurs. Évite de faire 66. parce que, plus, merci de me le rappeler. Alors ça peut être pas grand chose. Et dans ce cas-là, on a un effet narratif. Par exemple, tu peux être juste étourdi.
Donc, du coup, après, c'est à toi de me dire comment tu échappes à cette déflagration de grenade et comment t'as pas grand chose en fait. Allez, je te laisse. 21. Ah! Okay. Ah oui, 11, 21, 31, c'est pas ouais. Bon, non? Non, non, ça va encore. C'est pas un gros chiffre. Le but, c'est pas de faire le plus gros possible, quoi. Donc 66, et c'est des copains, quoi. À partir de toute façon, quand t'arrives à 44, là, c'est mortel. Avant 44, c'est pas mortel. Donc même si là, tu vas être en incapacité. Ça veut dire que tu vas être au sol. Je vais m'écrouler en essayant de me heurter à un truc, quoi, enfin de me heurter. Tu vas pouvoir te déplacer, mais en rampant, juste pour te mettre à l'abri, en fait. Ah ouais. Et la seule chose que tu peux faire, c'est ça, quoi. En fait, t'es hors de combat jusqu'à ce que quelqu'un vienne te porter secours. Ouais, le problème que tu vois, c'est que l'explosion aussi, t'as eu le temps de tourner la tête, peut-être de tourner les talons, mais la déflagration, l'explosion, t'as percé complètement un tympan. Tu vas être, bien sûr, tu te prends plein de trucs dans la tronche et tout. Y a des effets, y a des effets physiques aussi, hein, des blessures et tout. Mais tu perds une oreille, quoi. Donc ça veut dire ouais. Que tu vas avoir un malus de moins 2 sur tous les tests de perception auditive. Tu peux le mettre dans les blessures critiques. Donc sourd d'une oreille. Ok. Eh ben, on est mal barré. C'est temporaire ? Ça peut se guérir. Il faut D6, il faut des soins et pendant D6 jours. Donc si t'es soigné, dans D6 jours, tu récupères ton oreille. Autant vous dire que c'est pas la peine de faire le test parce que dans D6 jours, la mission s'est finie. Alors, je ne sais pas où est blessure critique, mais je vais le trouver. C'est sur la gauche. Sur la gauche. Un peu vers le bas, à gauche. Ah, ok, ok. Bon, bien sûr, Jones est resté en plein dans l'effet de ses grenades et. Bombe, va exploser avec. Un point de stress aussi, Hammer, parce que... Un point de stress, ouais, et ça fait du coup je perds toute ma santé là, parce que j'avais 4. Ouais, voilà, c'est ça. Je te okay. Ah, tu l'as enlevé ? Ok. Ouais. Et donc je viens de me rajouter un stress, ok. C'est au trio du haut, dont Mason. Tu vois Sylva par la Volzik. Tu la vois toujours, hein, Sylva, même si Mason, toi, peut-être que ton idée première, ça serait peut-être de te barrer. D'ailleurs, question, qu'est-ce que vous avez fait de vos combinaisons hazmat? Bah, chacun les porte, hein. C'est mm-hmm. pas. Je pense pas que. Oui, je pense que. Bah, en fait, on avait précisé, je te rappelle, ouais, que à chaque approche, en fait, je faisais des tests oui, de. Oui. Donc c'est pas pour avoir le matos en main et avoir les combinaisons dans la bagnole, enfin dans le transport. Okay. Donc là vous êtes... Moi je ouais. l'ai pas mis. Hein. D'accord, ok. Donc si vous la mettez, ça vous rajoute deux d'encombrement en plus. Hein. C'est juste pour ça. Elle est pas mise, mais je pense qu'on peut la transporter avec nous, tu vois, accrochée au pactage. Bah, elle est pas, si elle on l'a pas capée. Hein. Non, on avait dit qu'on la capellerait que si vraiment qu'on la mettrait que si vraiment on détectait sur le compteur, quoi, mais on l'a pas fait. Mais on l'a avec nous, c'est ce que je voulais dire en fait. Parce que là, il y a des bip bip sur ton compteur qui commencent à s'affoler. Ah oui, je t'avais précisé hein, que approche, en fait, je vérifiais le compteur. Du coup, dès que j'ai conscience de ça, là j'en informe tout le monde. Attention, risque NBC. Sylva ne semble pas s'en préoccuper et tu vois qu'elle est toujours en train de parler à Volzik. Elle lui dit je sais ce qui t'arrive. Je suis au courant de ce qu'ils ont fait. De toute façon, tu le sais.
qui était aussi. Il s'est passé avec toi. Il ne s'est pas passé avec moi. Et peut-être que il est toujours possible de rectifier le coup. Je sais que t'es dans un sale état, Volzik. Mais regarde-moi. Ouais, je vais bien. Je suis en forme, je... Et donc, il faut qu'on te ramène. Il faut qu'on leur montre à tous ce qui vous est arrivé. Et il faut que tu te laisses soigner. On peut encore faire quelque chose. Il faut que tu viennes avec nous. Et Volzik répond. Ah, j'ai mal. C'est insupportable. J'en peux plus. La douleur. C'est insupportable. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Je pensais que je pouvais m'en sortir. Je pensais que ce vaccin allait me permettre de nous en sortir. Je pense que... Wright était dans le bon chemin, mais c'était pas mon cas. C'est pour ça que je me suis barré. C'est pour ça que je suis ici. Autant tous les crever. Autant crever. Et autant crever avec eux. Et la discussion s'arrête là pour le moment. Je suppose que Mason, t'es en train d'enfiler ta combinaison NBC, en tout cas de sortir le matos. Oui, oui, et j'en informe les autres aussi par le comlink, enfin le communiqué. Et Dante qui est juste à côté de moi, je lui dis Capel, mets là. Est-ce qu'il réagit d'ailleurs quand je lui parle? Il réagit pas du tout. Je vois qu'il a encore baissé son arme et qu'elle est ballante au bout de son bras, quoi. Il a pas l'air d'être là. Mais c'est pas mon tour de toute façon là pour l'instant, si. Là si t'enfiles ta combinaison, ça va te prendre tout ton tour, quoi. Ah bah je fais. Hein, tu vas faire ça avec force tremblement. Je le fais. Et quand Dante me paraît absent, il est toujours focus sur le regard de. Ouais. Tu vois pas Volzik, quoi, mais il regarde par là, quoi. Bon bah dès que l'occasion se présentera, comme je détecte quelque chose est bizarre en fait dans son comportement et probablement aussi dans celui de Silva, si je peux, je vais éviter de croiser le regard quand même de Volt. Je vais enfiler ma combinaison, éviter de croiser le regard de Volzik et donner juste un coup de savate à Dante pour qu'il soit extrait du regard de Volzik. Il est vraiment à un mètre de moi, hein, si la porte c'est normal. Ah oui. 80 cm, 1 mètre, ouais, il est là. Voilà, donc je vais faire ça et je vais cramer mes tours en fait. De toute façon, je peux pas tirer dedans dans la mer Volzik, donc je préfère essayer de gérer ça. Est-ce que tu vas faire ça avant de mettre ta combinaison ou après? Ah oui, non, je t'ai précisé, je mets ma combinaison. D'accord, ok. Et ensuite, donc, une fois que c'est fait, ce je vais m'occuper des autres. Voilà. Hop, c'est fait. Et donc, on est de retour sur Hammer. Bah Hammer, il est dans un sale état, donc il peut faire pas grand chose, à part être au sol et à crier à l'aide. Ceux qui ont un pad voient que les constantes de Hammer sont. Et puis aussi, je l'ai pas dit, mais juste à ce moment-là, Mason, il y a une déflagration pas possible qui vient du bas. Et forcément, ça fait vibrer et trembler le sol, quoi. T'entends même tout ce qui était accroché au mur commence à tomber. Enfin, il y a des trucs qui se retournent. Même toi, tu dois garder l'équilibre à l'espace d'un moment. Quoi. Puis moi, je sais même pas si j'ai même la conscience de demander de l'aide. Ouais, tu peux. Moi, je m'occupe vraiment pas de ce qui se passe en bas ni ailleurs. Hein. Je suis vraiment focus sur la situation de l'étage. Ouais. Tu rentres quelque part ou tu restes sur place?
Ah bah non, moi j'essaie de me mettre davantage à couvert, j'essaie de ramper comme je peux en direction de Chaplin ou enfin vers la sortie quoi. Vers la trappe. Et je m'éloigne. Mais non, je m'éloigne de la trappe justement parce que ouais. Je sais que l'autre. Ouais, peut-être. Il est en dessous de Chaplin. Et donc du coup, c'est Yona. Yona, il essaye de se calmer, donc je vais pas allumer. Par contre, j'essaye d'observer autant que possible. Mm-hmm. On peut s'auto-calmer quand on est en panique. Oui, tu peux sortir ton objet fétiche. Tu vas pas te calmer toi-même. Tu vas pas arrêter ta panique, mais tu vas récupérer un poids de stress, quoi. Bon, je vais pas faire ça alors, parce que le but c'était d'arrêter la panique. Donc, même si je vais vérifier, hein, mais je pense que non. Je vais reprendre mon souffle, même si ça n'a pas d'effet en jeu, et je continue de regarder, surtout si quelqu'un essaye de s'échapper de la maison. Alors tu vois que comme Jmeseski bloque la porte, tu vois qu'il y en a qui ont commencé à faire tourner leur véhicule pour se déplacer vers un mur quoi, pour essayer de partir en passant le mur. Il y en a d'autres qui au contraire eux reconvergent vers l'intérieur et vers la maison quoi, et ils se rapprochent d'ici quoi. Bon, donc en voyant ça... Je vois qu'il y a un véhicule qui va par ici, il y a un véhicule qui reste au portail, et il y a un autre véhicule qui se dirige vers le mur. Dans les véhicules, ils sont combien ? Il y a qu'un type par véhicule ? En tout, ils sont 5. Il y en a un qui est en partie maîtrisé, qui se tient à l'épaule comme ça, celui sur qui t'a tiré. Quoi. Ils sont 5 en tout. Ok. Donc aux communications, je dis, il y en a pour le groupe des insurgés font demi-tour... et risque de revenir dans la maison. Et je me mets en surveillance de ce point-là pour shooter ceux qui décideraient de retourner dans la maison. Ok. Combien ils sont ? 5. Ils sont 5 en tout. Mais c'est pas 5 qui se dirigent vers la maison. Hein. C'est, y en a 2 sur un véhicule qui se dirige par là. Il doit en avoir... 2 qui sont ici au mur pour essayer de le passer, quoi. Et t'en as un qui est là au portail. Quand tu dis qu'ils vont le passer, c'est-à-dire qu'ils descendent de leur véhicule pour sauter le mur ? Ouais, tu vois qu'ils ralentissent pour sauter le mur. Alors bien sûr, là, ils sont derrière le mur, donc tu les vois plus. Je les vois plus. Ok. Non, mais je me focalise surtout pour essayer de couvrir les collègues et pas qu'ils se fassent prendre à revers, quoi. T'as le temps de tirer, si tu veux. Ah bah si c'est possible. Ouais, t'as le temps d'en faire un. J'essaye. Donc je mets le malus de moins 2. Oui, parce que là... Superbe. Ouais, tu tires. Une balle qui se perd. Ça peut les calmer peut-être, non ? Ils essayent pas de se mettre à couvert ou... Ouais, alors ils entendent certainement des feux, mais ils avaient des coups de feu, mais ils avaient déjà certainement entendu quand ils étaient là, quoi. Donc ils savent qu'ils sont pris pour cible. C'est pour ça aussi certainement que tu te dis qu'ils se dispersent de cette manière. Mais pour toi, bon, tu sais pas, mais à mon avis, ils ont pas l'air d'avoir compris d'où venait le tir. Puisqu'ils partent dans toutes les directions, quoi. Bon ben voilà pour moi. Chaplin. Ben moi je me redresse, je mets poussette, je dois avoir les un peu des ouvertures, ouais, des ouvertures avec des petits morceaux de câble qui sortent. Ouais, c'est même pas du câble qui sort, c'est en fait une sorte de liquide blanc, liquide blanc, qui coule. Ouais. Forcément, mais je me dirige vers ma première réaction, c'est de me diriger vers Hammer pour le tirer un peu plus loin. Donc je vais me mettre à pas rester devant la porte, mais me mettre un peu le tirer par ici quoi, dans l'angle pour pas être à vue de l'entrée de la porte. Sur le canapé. Voilà, je le tire là.
Et je regarde tout de suite si je peux, essayer d'intervenir, tu vois, si je vois une ouverture, etc. Si je vois qu'il y a une ouverture avec du sang, j'enfonce le doigt pour arrêter l'hémorragie ou enfin, je fais ce qu'il faut, quoi. Ouais, vas-y, tu peux faire ton test de soins médicaux. Si tu arrives à avoir une réussite, tu lui fais gagner un point. Oh bah ça, c'est pas un problème, soins médicaux. Ouais, c'est spécial. Regarde, bah ouais. À Alors, l'aise. ah, alors est-ce que ça fait quelque chose de plus? Mes oreilles sont soignées. Si la cible est brisée, donc ce que tu es, un test réussi la remet sur pied avec un point de santé par succès. Par succès, donc tu as 2 points de santé, tu reviens à 2. Ok. Et si c'était une blessure critique qui était mortelle, il te sauve la vie. Donc pour tuer quelqu'un, c'est quand même assez compliqué. Après, il y a des Il faut y a avoir des un médecin blessures à côté. critiques. Il y a des oui, il faut avoir un médecin à côté, sinon c'est plus compliqué. Un médecin où ah, tout le monde est capable de faire des soins médicaux à les minimums et à les bases, quoi. Mais c'est mieux si c'est quelqu'un qui jette 8 dés que 3, quoi. Et après, bien sûr, il y a des choses qui tuent d'un seul coup. Il y a des choses qui ne font pas de cadeau, quoi. Le test, il est directement. Le test raté implique directement la mort, quoi. C'est déjà pas mal, là. Donc du coup, tu t'aperçois qu'en fait, le Chaplain, c'est pas si grave que ça. Tu vas pouvoir le remettre sur pied assez rapidement. En tout cas, il va pouvoir repartir très très vite. Moi, je t'ai fait une petite injection, un petit. Par contre, tu verras que quand tu me donnes des ordres, faut, quand tu me parles, que je te réponds à peine. Hein. Ouais, mais bon, je m'occupe pas de ça. Moi, là, je suis focus sur les soins, là. Je suis une machine. Bah, je pense que c'est tout ce que je fais, hein. Ouais. Et donc on retourne à l'étage. Et tu vois que Volzik commence à s'énerver. L'explosion l'a énervé. Elle pousse des cris, elle pousse des hurlements. Elle fait ah Et Sylva qui commence à prendre peur un petit peu. Elle a descendu le flingue et puis elle commence à elle repointe un peu vers Vajzik. Elle fait calme-toi, Vajzik, calme-toi, reprends tes esprits, calme-toi tout de suite, comme si elle essayait de faire un test de commandement quand on essaye d'arrêter la panique, mais ça a pas l'air de prendre sur Vajzik. Et donc du coup Sylva commence à prendre elle commence à prendre un peu peur. En tout cas, c'est ce que tu ressens, toi, Mason, quand t'es de l'autre côté. Et tu entends que Volzik commence à se déplacer. Il y a le fauteuil qui est au milieu de la pièce, qui vient de voler dans un coin. T'as l'impression qu'elle commence à se mettre en crise, quoi. Une sorte de crise de nerfs qui fait qu'elle tape un petit peu partout. Et tu te dis, oula, ça commence à craindre. Du coup, moi, je fais ce que je t'ai dit. Hein. Je me pose une question. Est-ce que dans mes connaissances, j'ai conscience que les synthétiques sont insensibles justement aux espèces de manipulation mentale ou autre? Est-ce que ça je le saurais, ou est-ce que j'en ai déjà entendu parler, ou est-ce que j'ai déjà vu, ou est-ce que c'est une doc technique que je connais, tu vois? Oui, tu peux te le dire, ouais. Et donc la réponse, ça serait quoi? Après, on peut convaincre un synthétique, hein. On peut réussir à faire oui, en mais sorte voilà. de le convaincre, mais là tu te dis que oui, ça clairement il serait plus résistant que nous, quoi. Ouais. Certainement, ouais. Certainement. Bon. Donc dans un premier temps, je fais ce que j'ai dit la première fois, j'évite de croiser vraiment le regard de Vosgic, et je pousse Dante, tu sais, comme je t'ai précisé, là, un coup de Ouais. savate pour qu'il tombe en arrière, de façon à ce qu'il ne soit plus sous l'emprise, si c'est le cas. De Volgic, parce que pour l'instant Ouais. c'est simplement un doute que j'ai, tu vois. Ouais, et donc il commence à tomber à la renverse, presque surpris. Tu vois que il te regarde les yeux surpris quand il commence à se casser la gueule. Tu vois que quand il tombe, il se met presque dans une position en boule fœtale. Il se tient la poitrine, les bras en croix comme ça, et tu vois qu'il commence à être agité de spasmes et de tremblements. Donc là, je le prends par les épaules, tu sais, et je le tire un petit peu, je le mets un tout petit peu plus loin, genre, tu vois, je vais à peu près avec lui ici,
Et en essayant de le stabiliser, je commence à lui mettre sa combinaison parce que je vois qu'à mon avis, je pense que ça peut être aussi ça. Donc, ça va prendre du temps, ça va pas être simple, mais j'essaie de le convaincre, de le calmer. Calme-toi, donc ça va bien se passer, mets-le et surtout ne regarde pas dans la pièce. Alors, ça sera plus un test de soins médicaux que tu vas devoir faire, parce que là, il est dans un état qui est, pour toi, c'est plus proche du médical que de la panique et du stress. Ah, c'est pas mal, ça. Ça s'appelle la claque dans la gueule. Ouais. Et donc, tu commences à... tu vois, il était stressé, presque comme si il avait les mains crispées, tu vois, et tout. Il commence à te regarder comme ça, et puis... il ouvre les yeux et puis il commence à comprendre et puis tu vois que il se redresse un petit peu, il t'aide à enfiler la combinaison que t'étais déjà en train de commencer à lui mettre. Tu vois qu'il va pouvoir le faire lui-même tout seul. Donc, d'accord, du coup j'arrête et je me redirige vers la pièce. Ouais. Tu vas pouvoir aller jusqu'à la porte et c'est tout. Le moment où tu vas voir Voljzik qui fonce sur Silva, qui l'attrape et qui la jette, elle la fait voler en travers de la pièce. Et Silva va se scratcher contre le mur du fond là-bas. Quoi. Et t'entends un craquement bizarre. Et elle se contente juste de faire ça en fait. Elle se jette pas sur elle, elle la suit pas. Elle fait ça et puis tu vois qu'après elle commence à te regarder et tu vois son regard, ses yeux complètement d'un noir d'encre. Pas de pupille, pas de blanc, des yeux noirs et des veines noires, un regard complètement dément, de la bave qui lui sort de la bouche, des veines noires qui partent de son cou. Tu vois qu'elle est, elle est dans un sale état. Quoi. Elle a croisé mon regard du coup parce que je pense que j'ai pas pu l'éviter. C'est compliqué de pas pouvoir le faire. Tu vois qu'elle est agitée de spasmes aussi, de tremblements. Elle te dit il faut que je me soulage. Il faut que je me soulage. Et tu vois clairement qu'elle regarde dans ta direction et qu'elle t'a vu. Et est-ce que je ressens quelque chose justement comme si elle essaie de rentrer dans mon esprit ou est-ce que je suis tout à fait conscient Y a parce peut-être que la combinaison justement arrêterait, enfin tu vois, dans mon idée. Il y a peut-être de ça. Il y a peut-être de ça, on verra au prochain tour. Hammer. Ouais, tout ce que j'ai dit, c'est mon instinct un peu de survie. Je dis à Chaplain, Botos est en dessous. Bien sûr, c'est encore le bordel hein, dans la pièce. Il y a des parties du plafond qui se sont effondrées. Donc vous voyez la structure, la charpente métallique. Il y a une poussière phénoménale. Je crois que c'est tout ce que je vais faire dans cette pièce. Ouais. Ah bah tu vas, là tu peux te redresser, tu peux te. Ah je peux me redresser, d'accord. T'es reparti comme en 40. Hein. Ok. À part là, avec ton oreille défaillante quoi. Ouais, à part ton oreille défaillante. Quoi. Okay. Il faut pas s'imaginer que c'est parce qu'on perd ses points de santé que c'est fini. En fait, c'est d'accord. La table des dégâts critiques, des blessures critiques qui vont décider quoi. Okay. Et donc là, elle a décidé que pour toi, c'était. C'était pas mon jour. Enfin, pas ma seconde. Pas ton jour. Donc du coup, je me redresse dans ce cas-là et je fais. Je regarde Chaplain déjà aussi parce que. Ouais, tu vois qu'il suppure d'un liquide blanc. Tu savais hein, que. Synthétique, oui, bah n'avait oui. pas de sang et que. Et tu vois qu'il y a plusieurs trous à différents endroits, il s'est pris des éclats métalliques. Et donc, tout est chevelé, hein. Il y a ces cheveux qui doivent partir, le casque peut-être un peu de coin aussi. Quoi. Ouais, ça se change, c'est pas très grave. Je le regarde, tu fais Chaplain, ça va? Merci pour. Il faut que tu restes sur le côté pour le moment. Doucement, on meurt. Ouais, Botos est en dessous. Botos est. Je sais pas s'il est parti, je suis pas sûr, il est encore en dessous. Et là, je me dirige vers la trappe. Ouais. Je te retiens un peu. Si je peux jouer maintenant. Enfin... Ouais, on peut dire que là, vous êtes plus qu'à deux, donc on peut imaginer que tu peux faire quelque chose. Si je peux interagir, je sors moi mon détecteur de mouvement. Ouais. Mmh.
pour essayer de voir où se trouve. Alors tu vois que t'as différents degrés, tu peux mettre par étage, tu vois. Donc, ouais, je vais clic, le mettre. C'est en dessous, hein, même si niveau, on entend le bordel au-dessus, nous aussi. Ouais, ouais, alors tu vas voir qu'il y a. Tu vas voir le nombre de personnes qui est au-dessus. Hein. Tu dénombres 4 personnes au-dessus, ça pip, 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 pip. Et en dessous, par contre, tu vois effectivement que t'as Botos qui est. Alors en termes de maison, il est. C'est comme s'il était sorti de la maison. Comme s'il était pour à toi, l'extérieur. Il est là, ah oui, mais il est au niveau inférieur. Il a pris un tunnel. Donc il a pris un tunnel. Ok, donc il s'est déplacé, il est pas. Ouais, il s'est déplacé. Non, okay. Il est plus dans, il est plus sous la maison en fait. Ok. Et moi, je pense pas avoir entendu Yona. Hein. Je, vu que mon oreille machin, je suis même pas sûr d'avoir entendu ce que disait Yona par rapport aux éventuels insurgés qui revenaient quoi. Du coup, je préviens Yona. Je dis. Botos risque de surgir à un endroit où il y a une trappe à l'extérieur, il est en souterrain. Quelle direction? Dans ta direction. Il remonte vers le nord-est. Bon, je me focaliserai sur ce point. Ok. Bah, c'est à toi de toute façon. Sauf si Chaplin, t'as un autre truc à faire particulier à part ça. Bah alors, là, je pense que j'ai fait ça. Moi, j'ai fini de soigner Hammer. Je l'ai bloqué pour pas qu'il s'en aille comme ça en guerre tout seul. Et j'ai regardé le détecteur de mouvement. C'est déjà pas mal. Mmh. Donc, Yona, effectivement, tu vois qu'il y a quelqu'un qui commence à sortir. Tu vois qu'il y a une sorte de trappe. Qui se soulève quelque part par ici. Alors, je vous avais demandé quand vous êtes passé de chaque côté de la maison de faire un test d'observation la dernière fois. En fait, c'était plus pour voir si ceux qui passaient de ce côté-là repéraient cette fameuse trappe. Parce qu'il y avait une possibilité d'entrer discrètement à l'intérieur de la maison par la trappe, quoi. Et donc, du coup, bah, tu vois que ouais, ça se soulève, ça se débarrasse de la neige qu'il y avait dessus, et tu vois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'en sortir. Je prends une action rapide pour viser. Mm-hmm. Et quand la personne passera dans la zone que je vise, je tire. Tu peux y aller. J'attends quand même que la personne sorte, hein, que ce soit pas ouais, juste que sorte un mouvement entièrement rapide. D'accord. Ouais. Donc bah, au prochain tour alors. Ah oui, mais t'es obligé de tirer après avoir visé. Oui, pour viser au prochain tour quoi. Okay. Là, tu peux viser sur une autre cible si tu veux en attendant. Là, non, si non tu... je veux vraiment me focaliser sur lui. Okay. Par contre, je jette quand même un œil, une fois que je suis calé sur la zone, sur les autres, pour avertir si jamais je vois deux types qui se précipitent vers l'entrée de la maison. Quoi. Ouais, ouais. Tu vois que pour le moment, ils ont l'air empêtrés à essayer d'ouvrir la porte qui est ici. Quoi. Ok, donc, et Chmizevski, il fait quoi? Il est toujours en train de foncer. Ouais, de Chmizevski, il est là. Tu vois qu'il a l'air d'avoir abandonné l'idée de défoncer cette porte parce que bah il y arrive pas quoi. Il est tombé sur plus fort que lui quoi. Donc il s'est reculé pour avoir une ligne de mire si quelqu'un sortait quoi avec certainement la mitrailleuse du véhicule. Pas mal comme action. Ah bah entre lui et Dante, on est quand même bien servi. Hein. On a des soldats d'élite. Ouais. Les meilleurs. Donc du coup, on en revient à Mason et donc là tu vois que ouais. Imre Botas, de toute façon, lui, Yona, hein, je reviens à toi, il commence à sortir là carrément de son truc, quoi. Et tu vois qu'il va passer par ici, il a l'air de vouloir faire le tour de la maison, quoi. Donc tu pourras tirer au prochain tour, quoi, mais c'est juste ce que je voulais dire. Et okay. Donc du coup, Mason, tu vois que... Ouais. Vas-y, j'écoute. Elle essaye de plonger son regard noir dans le tien. Et effectivement, ce que tu subodorais, et là, tu as l'impression qu'il y a. Comme si ouais, tu pouvais pas t'en détacher de ce regard. Comme si il se passait quelque chose. Et. Donc,
comme j'avais quand même un doute sur le truc, là, j'ai vraiment juste fait un regard très rapide, tu vois, comme j'avais un doute sur l'état de Dante et de Silva, t'imagines bien que je n'ai pas plongé dans ce regard, j'ai juste voulu faire un test. Est-ce que la combinaison pourrait justement atténuer d'éventuels effets? Si je vois vraiment que je commence à partir, j'essaie de me reprendre et de baisser mon regard et de reprendre une position où je ne la verrai plus. Mais est-ce que c'est suffisant? J'avais quand même ce doute au départ, donc forcément... Tu vas devoir faire un test d'esprit, mais un test d'esprit pur, je te accorde un bonus de plus 2, vu ta méfiance. Pour essayer d'échapper... Ok, je suis mort. T'as pas d'esprit en même temps. Moins 2. Screenshot. Alors tu lâches ce que tu as en main. Alors bien sûr, quand je dis lâcher, parfois lâcher, ça veut dire il va te falloir une action rapide pour le reprendre en main. Ça veut dire que ton fusil il est en bandoulière. Donc forcément, même si je sais plus si t'avais Non, j'avais dit que je prenais le lance-flamme. Le lance-flamme, je savais pas ce qu'il y avait dedans. Donc. Tu l'as en bandoulière aussi, le lance-flamme. Donc il pendouille à ton côté. Le fait de vouloir le reprendre, ça va te faire une action rapide. Donc pour le moment, il est. Tu l'as lâché de presque de stupeur et tu regardes Ojzik qui s'approche de toi. Forcément, on compte que tu vas mourir peut-être. C'est la fin. Ton niveau de stress augmente de 1 déjà. De perdre l'abîme de ses yeux sans âme. T'es fasciné. Peut-être comme l'était sans doute Dante, ou c'était autre chose, tu ne saurais pas dire. Mais t'es presque immobilisé alors qu'elle s'approche. Très belle, je la trouve vraiment belle. Je vois dans son regard quelque chose que j'avais pas vu, tu vois, que les autres ne verront jamais. Certainement. Et tu saurais pas dire si c'est de la fascination, de la peur extrême qui te paralyse. Et en tout cas, tu la laisses faire. Ah oui, carrément. C'est là que je me rends compte qu'on a été trompé, tu vois, qu'on a vraiment été trompé, que ce qu'on nous a dit, c'était pas vrai, quoi, qu'elle a une aura que je n'imaginais pas. Et en fait, je suis bien. D'ailleurs, j'enlève mon masque. Oh, tu enlèves ta protection. Ah, tu vas. Alors, le seul effet que ça a, pour le moment, c'est que tu vas perdre, en termes de technique, tu perds une action rapide. Et tu gagnes un point de stress. L'effet que ça a, c'est un effet de stupeur de quelques secondes, quoi. D'accord. Tu vas reprendre tes esprits tout de suite. Après, t'es toujours sous l'effet de la panique, quoi. Du fait que tu te dis que tu vas mourir. Donc, t'es dans cet esprit-là quand même. Je suis pas subjugué ni obnubilé. Voilà. Je suis pas complètement possédé, quoi. Ouais, t'es pas complètement possédé. Le seul truc, c'est que tu perds une action rapide. Donc, il te reste plus qu'une action rapide ou une action lente, quoi. Donc, c'est-à-dire soit une action de combat ou soit une action de fuite. Je peux, en action de fuite, baisser le regard. C'est ce que le regard fuyant, c'est une action de fuite. Oui, tu peux même te décaler et te mettre contre le mur, ou bien jusqu'à l'escalier. Hein. Tu peux même aller jusqu'à l'escalier. Je fais ça. Je passe, je recule, je baisse les yeux et je laisse Dante entre elle et moi, parce que là, je sens que vraiment, ça va pas bien se passer, quoi. Ouais, je te laisse reculer et tu vois qu'elle continue à avancer, par contre. Tu vois, elle avance et elle te regarde. Je vais l'ajouter d'ailleurs dans les initiatives maintenant. Faisait agir en même temps que toi. Je peux encore parler, je peux quand même parler dans le communicateur ou je suis vraiment bloqué là? Oui, tu peux parler. Ouais, le seul truc que t'as, c'est que tu stresses, t'es affolé, tu prends conscience que cette chose va certainement tous vous tuer et t'en as lâché ton arme, ton stress augmente. Chaplin, on a besoin de toi ici. Et Chaplin, on a besoin de toi, on va tous crever, monte!
Bien reçu, Je bien reçu. lâche carrément l'arme en fait. Je me contente pas de la lâcher, de la laisser pendre en bandoulière. Elle est au sol tu en la fait. Déclipses et tu la laisses tomber quoi. D'accord, ok. Chaplin, Chaplin, on va crever, on a besoin de toi. On va crever. Reçu, Mason. Avec un calme olympien. Oui, je voulais faire Volzik. Puis... Ah voilà, c'est à elle. Hop là, bon, on considère qu'elle a joué. C'était aussi son action en même temps que Dante, donc on la verra au prochain tour. Donc c'est à toi, Hammer. Bah, du coup, est-ce que j'ai... Oui, j'ai entendu... Ah, vous entendez tous ce qui se dit dans les coms. Bon, en même temps, c'est limite hurler, et en plus dans les coms, donc tu vois... Bon, et Chaplin, j'ai entendu Chaplin aussi donner, enfin dire à ouais. Yona que Botos était parti. Hein, donc, donc du coup, bah, je vais amorcer la montée alors. Vas-y, tu peux te déplacer. Jusqu'où ? Là, tu peux aller pratiquement jusqu'au milieu de l'escalier. Voilà. La fixez pas dans les yeux, ne la regardez jamais. C'est atroce. Bien reçu. Ouais. Yona, tu peux tirer. Et tu les entends, c'est la panique à l'intérieur, quoi. C'est, tu te dis, oula, tu non, j'ai t'as bien fait d'être à l'extérieur. Je fais le vide en moi, là. Je suis dans mon monde, je peux pas le rater, les gars. Ouais. Donc j'ai mais visé. Tu trembles. Ouais, mais j'ai visé, donc ouais. Ça, c'est parti. C'est oui, mais t'as aussi un malus dû à la neige, aux intempéries, à la neige et à l'obscurité. Donc t'as quand même un malus de moins 2, ouais. C'est pas grave, je suis totalement focus sur mon seul but, c'est de l'éliminer. Et voilà. Ça passe. Paf, t'arrives à le toucher. Je vois qu'il fait presque un tour sur lui-même quand il reçoit l'impact de cette balle. Il était peut-être blessé d'ailleurs, non ? Il s'était pris un peu de grenade déjà. Non, Bottas, il avait réussi à échapper à tout. Le chien. Ouais. Attends, où je l'ai mis, mon Bottas ? Ah oui, il est là. Tu veux faire quelque chose avec ta deuxième réussite ? Est-ce que tu fais des dégâts sup ou est-ce que tu veux déclencher un effet ? Bah déjà, là, je lui fais deux dégâts de base. Est-ce que je peux... Alors, je sais pas ce que veut dire cloué au sol. En fait, ça correspond à quoi en termes de jeu ? Cloué au sol, ça veut dire qu'il va perdre... il pourra pas se déplacer. Donc, il reste là où il est. Il va rester là où il est, ouais. Parce que sinon, en autre option, je peux le faire s'écrouler. Mmh. Je vais le laisser sur place. Par contre, il doit faire un test de panique. Je sais pas si c'est un intérêt en termes de jeu, mais... Ouais, ça c'est plus... attends, je regarde... Ouais, je préfère qu'il s'écroule, moi, pour pouvoir l'aligner de nouveau, en fait, pour me faciliter mon prochain tir. Il est au même endroit, il a pas bougé, j'ai juste à rappuyer, quoi. Ok. Ouais, et Bottas panique aussi. Lui aussi, tu vois qu'il essaye de relever le flingue, il tire un petit peu à droite, à gauche, sans savoir véritablement d'où c'est parti. Certainement dans ta direction quand même, hein, c'est pas non plus un bon de 6 semaines, quoi. Mais tu vois qu'il est affecté, quoi. Il vient de se prendre une balle et... Il a ressenti le choc sérieusement, quoi. Et tu vois qu'il plonge dans la neige. Est-ce que ce superbe shoot difficile me fait reprendre confiance et j'arrête de trembler ? Non. Non ? Non. Non, non, non.
coup c'est à Chaplin. Et ben moi je vais commencer à enfiler mon lance-flamme qui devait être un petit peu tombé sur le côté quand j'ai sauté sur le côté, je le remets, tout en parlant très calmement à Mason. Alors Mason, si on reprenait cette petite conversation qu'on avait l'autre fois où tu me disais que tu avais des choses à me reprocher, c'est peut-être le moment de me donner des explications, mais je me dirige vers l'escalier quand même. Ok. Comme je garde mon sang-froid, je profite pour parler dans la com. Est-ce que tu fais ça dans le but de le calmer ou est-ce que tu veux, c'est plus pour le narguer et... Mais si tu préfères, Mason, je peux te chanter une petite chanson, ce qui pourrait peut-être te plaire. Et je fredonne un petit air. Peut-être pour essayer de le rassurer, ouais. Est-ce que j'entends ? Est-ce que je suis réceptif ? Oui, tu peux être réceptif. Donc tu peux faire un test de commandement, Chaplin. Yes. Pour essayer de le faire sortir de sa panique. Ah oui, commandement, pardon. Et bah, voilà. Et tout en marchant tranquillement, je fredonne mon petit air et je me mets en bas de l'escalier en fait, hein, je monte pas. Je me mets là, je me positionne en bas là. Avec le lance-flamme orienté vers le haut. Je sais pas si c'est l'énervement que provoque sur toi Chaplin, Mason. Mais il arrive à te faire sortir de la torpeur dans laquelle t'étais, quoi. Et donc tu reprends conscience de la situation et tu es en mesure d'être en pleine possession de toi-même pour pouvoir te battre, quoi. Tu n'es plus sous l'effet de la panique. Et puis j'ai gardé un calme parfait, c'est-à-dire Alors du coup, mais c'est peut-être parce qu'il t'énerve, tu vois, Chaplin, que tu ressens ça et que ça te ramène à la réalité, quoi. Tu vois, c'est. Du coup, je profite de ce regain d'attention et pour complètement couper le regard avec Vojvix. Ouais. Vix. Et de regarder Chaplin va devoir déjà comment est Dante. Et puis je continue à reculer dans les escaliers pour vraiment. Pour vraiment reprendre mes esprits, parce que là je suis vraiment très très mal psychologiquement, quoi. Tu vois que donc, mon but là c'est plus de combattre, c'est vraiment de descendre ces escaliers à tout prix et de me barrer. Tu vois que Dante est en train de reculer, tu vois qu'il essaye de lever son flingue pour tirer, il tire, mais ça n'a aucun effet, les balles tapent le mur qui sont ici, quoi. Il n'arrive pas à toucher Volzik, il arrive juste à l'énerver un petit peu, alors qu'elle commence à accélérer, à se précipiter dans le couloir, quoi. Lui, Dante rentre dans la pièce qui est ici. J'ai le temps du coup, vu que tout ça c'est simultané, là, ouais, j'avais pas vu le temps de Dante faire ça. Est-ce que juste au moment de descendre les escaliers, je peux envoyer une rafale justement? Ouais, vas-y. C'est possible. Alors si tu descends les escaliers, tu vas te retrouver après au niveau de Hammer après avoir tiré. Non, c'était, mais là j'étais en recul, je commence à reprendre conscience, je coupe mon regard de Volzik, j'envoie une rafale, tu sais, en mode réflexe marine, et puis après je me barre, quoi. Vas-y. Ça va être au niveau de Chaplin plutôt, parce que moi il est devant moi. Non, lui il est en haut des escaliers. Non, il est, ah, mais oui, attends, il est en haut des escaliers. C'est pas cohérent parce que j'avais lâché mon arme, j'avais pas d'arme dans les mains, donc là je vais pas pouvoir faire ça. Ah oui, Je recapelle le M41, c'est pas logique, quoi. C'est une action rapide, donc c'est possible. Bon bah alors du coup je le fais. Un peu de stress, là. Tu vas vider un chargeur, hein. comme d'habitude, tu vides souvent des chargeurs. Donc là, tu vides ton chargeur et la panique revient. Ouais, moins deux. Est-ce qu'il y a un effet de stress? Non. Mais tu arrives à le toucher. Tu arrives à la toucher. Et tu vois qu'elle fonce, du coup, et elle fonce dans ta direction. Mais tu peux descendre les escaliers. Oui, oui, et descends. Te mettre. Ouais, en fait, Hammer, toi, t'étais au milieu des escaliers, hein, donc ouais, c'est ça. S'il descend, vous allez être l'un à côté de l'autre, quasiment, quoi. Et là, je descends en criant. Ne le regardez pas, ne le regardez pas. Ah non, Chaplin, il est derrière toi.
Je suis en bas de l'escalier, alors, moi. Et alors, il n'est pas dans le bon sens, parce qu'il devrait être à droite. Ils sont faits étrangement, ces escaliers. Ah oui, parce que moi, je vois la flèche. D'accord, hein, moi, j'ai dit que j'allais en bas de l'escalier, donc je suis ici, ouais. En fait. Donc c'est là, voilà, c'est ça, ok. Ouais, je vais pas donc, faire attention. Tu peux descendre à l'étage inférieur, du coup, Mason. Je descends. Et je te prends, je te mets là-bas. C'est fait. Oh, je t'ai pris en même temps. Et donc, vous voyez Volzy qui arrivait, qui est en haut des escaliers et qui va foncer, qui fonce dans les escaliers alors que Mason arrive vers toi, Hammer. Elle va voir le temps de faire quelque chose sur quelqu'un. Ah, j'ai oublié quelque chose. C'est bon. Du coup, je regagne un stress vu que j'ai fait un facehugger. Non, pas sur ce coup-là. Ça ne dit rien sur l'effet de panique. Donc, ah, parce que c'est pas. Ok, d'accord. Bon, je dis que descend à toute vitesse. Elle est aussi dans les escaliers, donc elle va arriver au même niveau que toi. Tu sens qu'elle est sur tes talons. Mason est juste derrière toi. Elle se déplace avec une rapidité déconcertante. En tout cas, c'est beaucoup plus rapide qu'un humain normal. Et elle a pas l'air d'être gênée par ses yeux noirs dans les escaliers. Et donc, elle arrive, elle est déjà pratiquement derrière toi alors que tu es en train de descendre. Quoi. Hammer, toi, tu la vois arriver aussi. Quoi. Elle fonce dessus. Quoi. Mais Mason est devant ou derrière moi, parce que du coup, ah, elle est devant. Repasse. Bah oui, mais parce que ouais, c'est pas là. Dans le bon sens, ouais, à ouais. Chaque fois. Okay. Ouais, bah oui. Il est là, effectivement. Parce que ça change tout pour ce que je veux faire, moi. Donc, c'est pour ça que je demande. Voilà. If paf. C'est à Botos. Tu vois que Botos rampe dans la neige. Il aura une autre possibilité de tirer, Yona, mais après, il sera à couvert de la maison. Et là, c'est Hammer. Est-ce que vous avez capté vos combinaisons quand même quand je vous l'ai demandé ou pas du tout? Les autres Non, j'ai pas eu le temps, non. Je pense, moi. Non. Moi, j'avais pas l'intention de le mettre. Et moi, je pense pas avoir eu le temps parce que j'ai été happé non. Par le souffle de la grenade. Elle est très très proche. Mason est collé à moi et elle est très très proche de moi là. Ouais. Là, vous êtes. Mason, il est à moins d'un mètre de toi. Il est quasiment à côté de toi, quoi. Tu peux le toucher avec ta main. Non, et, parce que. Ce que je veux dire, c'est que j'ai deux possibilités. Soit je reste sur place, je vise et je lui tire dessus. Soit je recule et je lui tire dessus sans viser. Donc du coup, comme elle est trop proche de moi, je vais reculer. Je sais pas jusqu'où je peux. Ouais, et je vais. Là. Et par contre, Mason est dans mon. Ah, il y a du Mason qui est là. Donc si tu veux tirer, Mason va être une gêne. Donc tu vas avoir un malus de 2. Ok. Moi, s'il cherche à passer, je le laisse passer. Hein. Mais je me remets en position tout de suite. Non, mais je cherche pas à passer forcément derrière toi. Mais moi, mon but, c'est de moi, tirer. Je te fais un geste rapide pour que tu dégages sur le côté, quoi, et que tu restes pas dans mon champ de vision parce que j'ai le lance-lame. Ok. Bon bah, du coup, je recule alors. J'essaie de me mettre là. Tu ne tires pas du coup ? Bah non, parce que tu sinon, peux tirer je en risque. Ouais, mais j'ai peur d'avoir Mason dans ma ligne de mire, mais si tu prends le malus de 2, tu toucheras pas Mason. Ok. Parce que le malus de 2 fait en sorte que tu limites la casse en visant en essayant de pas le toucher. Quoi. Ok. Bon bah je mets le malus alors. Alors ma fenêtre. Bon, bien sûr, Mason, toi tu vas avoir l'impression qu'on te tire dessus, quoi, parce que c'est dans un mouchoir de poche. Et en plus, ça tire au smart gun, donc forcément ça défouraille, quoi. Alors, la petite panique. Et ben voilà. Ouais, on tremble. Tremble.
tu as moins 2 maintenant. Donc moins 2 en objectif, moins 2 en agilité. Et tu viens de vider le chargeur. Tu viens de vider le chargeur. Ah oui, c'est vrai aussi. Ouais. Donc ça veut dire pour recharger, il faut une action rapide. Donc il faut. Ouais. Tu peux recharger et tirer. Mais tu mais sans viser, ouais. Et sans viser. Tac. Yona. C'est pour Bottas. Si tu veux encore essayer de le viser. J'ai moins 2. Je pousse, c'est possible. Oui, tu prends un dé de stress. Je vais bien faire une réussite quand même. Ah ben voilà. Et donc là, forcément... Tiens, j'y pense. Est-ce qu'on a encore notre jet de TGCM là sur cette partie ? On l'a jamais utilisé pour l'instant. De quoi de ? On avait le droit ouais. un dé miracle là. Un dé miracle. Ouais. Est-ce que tous l'avaient pas utilisé ? Ah bah sur cette partie jamais. En fait, personne ne l'a utilisé. Alors sur cette partie là, si vous l'avez utilisé sur la précédente partie, bah voilà, c'est. Ouais, après, je sais même pas si ça s'utilise d'un personnage à l'autre sur le même scénar. Ouais, d'un personnage à l'autre sur des scénars différents, je suis même pas sûr. Il faudrait que je vérifie ça. On va dire que pour le moment, vous n'avez pas. Quoi. D'accord. Parce que c'est des objectifs qui sont complètement différents dans un autre endroit. Bottas. Ouf. Il a eu en pleine jambe et tu vois que il essayait de se relever pour passer le coin du mur en pensant qu'il était déjà sauvé, mais grand mal lui en a pris car il s'est allongé pour toi, ça a été le moment de tirer, tu lui as tiré juste au niveau de la cuisse quoi, et t'as vu pratiquement la jambe qui partait. Dans un sens opposé à la direction qu'il voulait lui donner. Et donc, il retombe dans la neige juste derrière. Pour toi, le tir que tu lui as fait là est un tir mortel. Ok. Est-ce que ça bouge Est-ce que les insurgés sont toujours en panique, les autres, ou pas Oui, oui, et tu vois que ceux qui sont au mur, tu les vois plus. Ceux qui sont ici, t'as l'impression, celui qui est ici, t'as l'impression qu'il attend que la porte s'ouvre, mais il fait rien de particulier, il s'est mis derrière son véhicule, une sorte de quad, quoi. Et puis ici, t'as ceux qui sont ici qui viennent d'ouvrir la porte. Et tu vois que Bottas bouge quand même. Tu vois qu'il rampe pour quand même se mettre à couvert. Est-ce que j'aurai encore une possibilité? Je vais peut-être pas l'achever, de toute façon il va pas aller loin. Je le laisserai là pour l'instant, je me focaliserai sur ceux qui sont en train de bouger en direction de la maison. Je vois dans ta jumelle qu'il y a une grosse traînée derrière lui, quoi. Il y a énormément de sang. Sa vie est comptée. Je vais le laisser tomber pour l'instant, je me focalise sur les autres. Non, moi je me suis bien préparé là, je me suis mis sur mes appuis en bas avec le lance-flamme pointé vers le haut dans l'escalier. Un petit truc, si j'inverse mon initiative, c'est définitif. Non, c'est juste pour ce round. Alors, si pour le combat, normalement, si. Pour le combat, c'est définitif, je ne saurais plus. Pour le même combat, oui. Pour le même combat, oui, c'est vrai, c'est définitif, c'est dit, ouais. Mason, il est en capacité de tirer là. Mason, elle est juste derrière lui. Il peut se retourner dans les escaliers et puis tirer aussi. Oui. Ouais. Il est à bout portant là, quasiment. Là, il va être au contact. Hein. C'est ça. Ouais, donc je vais inverser mon initiative avec Mason pour qu'il puisse lui tirer dessus d'abord. J'espère que ce qu'il va faire. Mais sonne, c'est à toi.
Je tire, bout portant. Est-ce que tu tires en reculant ou tu tires en restant sur place? Ben, j'étais... Non, en reculant, vraiment, faut être honnête, ça sera vraiment en reculant. D'accord. Quoique, donc... à moins que la situation, que je me rende compte que la situation ne me permet pas vraiment de reculer sans risque de tomber dans les escaliers ou autre, tu vois. Alors, c'est pas de tomber dans les escaliers plus que ça, c'est que si tu te recules alors qu'elle est quasiment au contact, elle va avoir la possibilité de te porter donc un coup, je veux pas lui laisser une attaque opportune. Non. Mais tu sais que si tu lui tires aussi à bout portant alors que tu es collé contre elle et qu'elle va essayer de se défendre d'une certaine manière, tu vas avoir un malus de moins 3 sur ton tir. Ouais, mais tu sais, avec 7 de stress, je crois que dès que je vois que je veux flip, j'envoie, quoi, tu vois. Après, tu peux essayer de te désengager, mais ça va être un test de mobilité. Non, c'est vrai. Bah non, parce que j'ai perdu, je te rappelle, j'ai perdu 2 avec la châtaigne que j'ai pris. Je sais pas si... Non, c'était en agilité, tu m'as dit. Je crois, il me semble. Mmh. Non, très franchement, ça sera un tir réflexe de panique, en fait, tu vois. D'accord. Je réfléchis pas trop à ça dans sa situation, là, je balance, et puis... Donc tu vas avoir un malus de moins 3 sur ce tir, parce que tu vois qu'au moment où tu tires, elle essaye d'attraper ton arme, quoi. Donc il y a des balles qui partent un petit peu dans tous les sens, mais elle peut se faire toucher, mais c'est plus compliqué pour toi. Moins 3, c'est juste monstrueux. Alors attends, je cherche le modificateur parce qu'à chaque fois j'ai une fenêtre à part qui s'affiche. Surtout quand on a déjà un moins 2 en agilité. Ça correspond à moins 5, c'est moins 5D sur ton tir. Bah non, c'est pas les mêmes, moins 2 agilité, là c'est un jet de parce combat. Que l'agilité, ça te fait. C'est aussi ton combat rapproché. Dans l'agilité. Moins 5, bah si vraiment. Non, combat rapproché, c'est force. Là, qu'est-ce que tu essayais de faire du coup, j'ai peut-être pas compris. Moi, je pensais que tu tirais dessus. De tirer. Ah, c'est ce que je voulais faire en fait. Ah, alors, si tu tires dessus, je ne veux absolument pas qu'elle puisse me taper gratuitement, tu vois. Donc, si tu lui tires dessus, ça va être de l'agilité. Et donc, c'est bien ça. Tu vas prendre ton malus de moins 2 d'agilité parce que tu es agité de tremblement. Et tu vas prendre un malus de 3 parce que tu es au contact alors qu'elle utilise son arme. Après, c'est vraiment l'agilité, c'était pour le combat. C'est vraiment la situation. Quand vous regardez votre fiche de personnage, la force, c'est machine lourde, combat rapproché et endurance. Oui, en fait, c'est toujours les 3 qui sont à côté. Et là, il est en combat rapproché. C'est combat à distance. Oui, mais là, il est en combat rapproché. Ça dépend ce que tu fais. Si tu tires, t'es pas en combat rapproché. Mais non, voilà. En fait, ça dépend vraiment de la situation dans laquelle, que Mason va analyser. Si c'est plus simple pour moi de la repousser avec un coup de crosse ou autre. Ah bah oui, c'est plus simple. Je vais le faire si je vois en tant que, voilà, moi, je pense que Mason analyse bien la situation et s'il se rend compte qu'il peut pas tirer, bon, il le fera pas. Mmh. Un coup de crosse peut-être suffire pour ne serait-ce que détourner son regard ou. Oui, en tout cas, tu as plus de chances de la repousser, ça c'est sûr. Bah voilà, je vais plutôt tenter ça. Si vraiment je vois que le temps de prendre l'arme, d'épauler, tirer en réflexe, ça marchera pas. Je pense que le réflexe humain, c'est de repousser au cac, quoi, tu vois. Donc du coup, ça va être un combat rapproché cette fois, et donc là, ça va être 23. Un coup de crosse, par exemple. Et donc là, t'as pas le moins 3. Le moins 3, c'est quand tu tires j'ai quand même moins 2 d'agilité. Non, puisque c'est de la force. D'accord, ok. Bon, bah, je vais donc faire là, comme t'as ça, pas de malus. Je vais faire comme ça. Donc, je fais un test de combat rapproché. Oh, quelle catastrophe. Vas-y, fais-moi. C'est la panique. Vous voyez que Mason est aux prises avec Wojcik au corps à corps. Ça n'a pas l'air de bien se passer du tout. Il a l'air de se débattre plus qu'autre chose alors qu'elle essaye de l'attraper pour le coller contre le mur. Il est presque en totale panique. Tu dois utiliser ta prochaine action pour t'éloigner, donc à partir de maintenant, du coup, puisque tu as encore une action de déplacement, du danger et trouver un endroit le plus sûr possible. Tu as le droit de faire un test de mobilité pour battre en retraite. C'est ce que tu vas faire maintenant, parce que sinon, elle va te mettre un mauvais coup. Elle va te mettre un mauvais coup tout de suite. Voilà. Je refais un test de panique ou pas, du coup ? Votre niveau de stress baisse de... Ton niveau de stress baisse de 1, mais celui de tous les personnages amicaux situés à courte portée de vous augmente de 1. Donc ça veut dire que Hammer... Il prend un point de stress. Oh bah, c'est gentil. Et où est-ce qu'il arrive, Mason ?
Messan, ça va faire une double action. Donc, à ton avis, pour toi, ça va être de sortir dehors le plus en sécurité. Oui, oui, oui. Donc, tu vas arriver au milieu de la cour, quelque part par ici, quoi. Donc, mais il faut que tu fasses ton test de mobilité avant, parce que si tu rates ton test de mobilité avant. Ah, mais oui. Ah oui, une réussite. Ah oui, c'est ça que tu refais. Tu me disais que je refais. Je te demandais, est-ce que je refais un test de panique ? Ok. Alors, 9. J'en fais un. Ouais, t'en refais un. Bah, je l'ai fait. 9. Mais moins 2, 7. Et donc, je reprends automatiquement un point de panique, parce que quand tu fais des fesses guerre, tu gagnes un point de panique. Non, non, non. Non, pas forcément. De stress, pardon. Non, tu vas prendre un point de stress, parce que quand tu es à 9, c'est objet lâché. Et donc là, je pense que tu peux faire ce que tu avais dit, c'est que tu as l'impression d'étouffer avec ta combinaison NBC. Tu sais que c'est ce qu'il faut pas faire, mais en descendant l'escalier, tu peux pas t'empêcher de remonter la visière. Ou en tout cas de vouloir respirer, parce que tu as l'impression d'étouffer avec tout ce stress. Ouais, je fais ça, j'enlève mon masque et puis je me précipite dehors et je mange des poignées de neige. Allez, c'est parti, va dehors. Comme j'étouffe, tu vois, je vais aller choper de la neige et je vais manger de la neige. Mais ton compteur GGR là, il bip là aussi au rétrocède. J'en sais rien, je saurais pas te dire, peut-être. Non, mais est-ce que nous on l'entend ? Est-ce qu'on l'entend le bip ? Oui, tu l'entends. Tu l'entends, ça. D'accord, donc du coup je. Ok. Ça va changer dans ma tête. Bim bim. C'est moi du coup. C'est toi, Chaplin, donc cette fois tu vas pouvoir déchaîner. Bon, moi j'ai juste pivoté pour laisser passer une fois Mason, une fois Hammer, une fois Mason. Mm-hmm. Mais je m'étais préparé. Ouais. Allez, laisser passer. Et là je lâche tout dans l'escalier plus 2 parce que tu vises. Ouais. J'ai que 2 en dégâts avec l'incinérateur. Putain. Ah, mais après, t'as mis du feu. Voilà, ça prend feu. Ah oui, d'accord. T'as les effets du feu. Mmh. Bon, allons-y. Si, avec une intensité de neuf. Voilà, c'est balèze. Hein. Donc, plus 2. Ouais. Donc là, ça marche en plus, tu vois. Donc, ouais. Ça fait que tu fais 2 de dégâts. Alors, t'as un succès supplémentaire où tu peux avoir un effet spécial. Bah, tu peux la clouer au sol déjà, peut-être, non ? Ça lui évitera de. Ouais, ce serait pas forcément une mauvaise idée. Ça lui évite d'agir. Ouais, je vais peut-être utiliser cette action-là, ouais. Moi, je peux la défourailler après, si j'y arrive. C'est quoi ? C'est. Non, toi, t'es plus bon à rien, toi. C'est clair. Toi, t'es. Tu vois Dante ? Bah, t'es en dessous, en fait. Alors, compétences, je regarde. Combat à distance, donc les actions d'éclat, un dégât de plus, hein, comme j'ai dit. Ton ennemi est cloué sur place par tes tirs, il doit effectuer un test de panique. Bon, je te le dis, pour elle, ça va pas marcher. Donc, pas la peine de prendre ça, mais elle peut être clouée sur place et genre elle est paralysée par la peur, quoi. Donc, ça va pas forcément servir dans ces cas-là, quoi. Tu peux, alors là c'est le cas où tu peux changer d'initiative, ça veut dire que tu peux changer d'initiative avec elle. Donc tu peux utiliser ton action, ton coup d'éclat pour échanger d'initiative. Ah oui, et du coup il rejouerait tout de suite. Et du coup tu rejoues tout de suite après, ça peut être intéressant. Et je rejoue immédiatement après. Ouais, ouais, bah je vais faire ça en fait. Ouais, parce que ta cible n'a pas d'arme, donc ça sert à rien. Et ou ton adversaire peut s'écrouler ou reculer. Non, je vais inverser l'initiative de manière à pouvoir l'attaquer tout de suite, la réattaquer une deuxième fois. Mm-hmm. Ouf. Ouais, complètement. Et donc, bam bam bam, alors. Après, t'as les dégâts de feu. Alors, les dégâts de feu, ça a une intensité de 9. Attends, mais moi j'en ai pas de nouvelle attaque là. Vous voyez quelque chose, vous ? Deux. Non, mais je l'ai pas encore fait. Là, tu peux faire les dégâts de feu déjà. J'ai déjà les dégâts de feu, et après seulement il fait sa deuxième. J'ai pas encore fait les dégâts là. Ah, je vais poser la question, Claire.
Donc nous disions 2 en dégâts. Donc là tu dois faire un custom roll à 9. Ah, pourquoi 9? Parce que c'est la puissance. Du feu. C'est comme c'est assez balèze le lance-flamme. Ok. C'est pour ça que je l'ai pris. C'est parti. Elle s'enflamme là, la dame. Et pendant que je balance là, je balance le feu dans la gueule. Mm-hmm. Je dis Dante, tire-lui dessus. Et j'essaye de Il est pas là, Dante. Hein. De mettre de la conviction. Ouais, ce que je lui dis. Dire, pour, mais... Ouais. Non. Je doutais qu'il va arriver par derrière. Ouais, je peux dire faire un test de commandement pour alors, essayer d'obtenir son. Tu peux pas parce que faire un test de commandement, ça serait une action rapide. J'ai déjà fait. Ouais. Donc ça marche pas. Par contre, je vais pouvoir. Sauf si à son tour à lui, il peut le faire. Parce qu'il repasse. Oui. Ouais, mais à ce moment-là, je pourrais pas tirer. Ouais. Si. Je peux faire un commandement et si. Une action rapide. Attends, je vais regarder, mais je pense que c'est pas sur le même. Il faut voir si le commandement c'est l'action lente ou rapide. Ouais. C'est une action lente. Bon, tu peux C'est une action lente, donc je arrêter la panique, c'est une action lente. Ok, bon bah du coup je. Une je... action de tir. Non, c'est logique, il y a un test. Du coup alors, je le fais, mais juste en RP quoi. Mais Dante, attaque derrière. Je vois qu'il y a une torche humaine qui descend les escaliers, quoi, parce qu'elle est en train de s'enflammer, il y a toujours le pouce. C'est comme si tu restais appuyé sur la gâchette, quoi. Donc t'as toujours le jet de flamme. T'as toujours le jet de flamme qui est là, alors que elle descend et toi tu continues de tirer et le truc s'enflamme. Ouais, bah c'est pas fini. Et d'ailleurs c'est pas fini. Moi je reste bien. J'ai plus 2, tu m'as dit. Oui. Putain de bordel. Mais tu vois que alors que t'es en train de tirer, tu sais pas si tu vis sur elle ou pas, et au moment où tu lâches la gâchette de ton arme, tu vois qu'elle est affalée au milieu des escaliers, allongée, en train de brûler. Bien sûr, l'intensité de la chaleur a diminué maintenant que tu ne tires plus, quoi. Mais tu vois que son dos est en train de prendre, ses cheveux sont en train de prendre feu. Hammer, vite ton chargeur, vite. Elle est en train de cramer au milieu. Elle est en train de cramer au milieu. Hammer. C'est à moi, oui. Du coup, je la vise et je tire. Tu peux faire un tir à fond, là. Y aller. Ouais. En visant, donc du coup, il faut que je... Ah, je peux peut-être me mettre en mode automatique, là, ouais. Bah ouais, attends, tu peux t'approcher aussi, parce que là, elle est plus en état d'attaquer, donc... Alors si tu te mets en automatique, tu vas prendre un point de stress. Mais ouais. Tu vas gagner un bonus de plus 2. Donc tu peux passer devant Chaplain. Mais alors vu le stress... T'es plus à ça près. Hein. Donc un stress et en plus 2, ok. Tu devrais déjà être mort. Peut-être te sauver la vie. C'est à moi que tu dis ça. Je vous ai sauvé la vie à tous. Encore une fois. De la graine. Encore une fois. Bon bah je fais tomber mon arme. Ah tu paniques? Ah ouais. Oh là là. Bah je fais tomber mon arme surtout. Mais est-ce que j'arrive à lui tirer dessus avant de paniquer et avant de lâcher l'arme ou pas alors du coup? C'est toi qui me dis. Je te laisse le choix. Bah, pour moi, ma logique serait que pendant que je tire, du
du coup, je sais pas si je lui mettrai tous les dégâts, mais pendant que je tire, le recul me fait lâcher le truc par la panique, quoi, tu vois. Le smart gun, il t'échappe un peu des mains. Peut-être qu'il se décroche de... Tu vois, et tu l'as dans une sorte de bandoulière, et puis accroché tout autour de ta taille, tu vois. Tu le tires à deux mains comme ça, et puis peut-être qu'il y a un truc qui lâche quelque part. Et donc, du coup, tu... J'ai pas assez de force, je le maintiens pas bien, et hop, il... Il y a une main qui lâche et qui... Et le truc tombe par terre, quoi. Ouais. Il tire peut-être que d'une main, et du coup, ça ne suffit plus pour ajuster des tirs. Mais tu vois que ça tire en partie sur Volzik. Et alors que vous êtes en train de regarder son corps, vous voyez que elle ne bouge plus. Elle est dans les escaliers. Elle est en train de se consumer. Mais d'un coup, Chaplin, je vois qu'elle se relève. Eh ben, je renvoie le... Je renvoie le la purée. Hein. Ouais, Hammer, ça... même si Hammer est devant, hein, tant pis. Hein. Il va y avoir du. Je suis pas devant, moi. Bah si. Si t'étais passé devant pour. T'étais passé devant pour tirer. Ah ok, alors je me déplace du coup. Ouais, mets-toi un peu devant. Si ah là, j'envoie la purée et je crame tout. Enfin, quand ça sera mon tour, en fait. Ouais, ouais. Alors qu'elle est en train de se relever, Volzik se met à hurler. Tu vois qu'en hurlant, elle commence à prendre ses mains et puis brûler. Et elle s'arrache le visage, son visage qui est en train de fumer, alors que son dos est toujours en train de brûler. Tu vois qu'elle s'arrache le visage. Il y a des lambeaux de peau qui commencent à tomber sur le sol, dévoilant une ossature noire juste en dessous. Il y a des morceaux de cuir chevelu qui commencent à tomber. Tu vois que son crâne... juste en dessous, c'est comme si bouillonnait, tu comprends pas ce que c'est, si c'est les cloques dues au feu que tu lui as mis, Chaplin. Vous comprenez pas tous les deux alors que vous êtes en train de regarder ça, mais non, c'est les os, c'est les os de son crâne qui sont en train de bouger et se déformer alors qu'elle est en train de vous regarder et ça vous fait, ça te fait surtout toi stresser, Hammer au plus haut point, tu vas prendre un point de stress. Encore tu vois que le sommet de son crâne est en train de s'allonger tandis que une forme humide noire est à l'intérieur du corps de Volzik et est en train de se débattre comme si elle essayait de se départir de ce corps humain qui l'enserrait. Quoique ses mâchoires, le mâchoire de Volzik commence à partir de coin alors qu'elle se brise, il y a des dents qui tombent, son corps ne tarde pas à suivre alors que ses os s'agitent et se disloquent sous une peau à l'élasticité impossible. Voit que son corps commence à se reconfigurer dans une posture beaucoup plus monstrueuse et qui ressemble aux choses que vous avez déjà vues auparavant. Ça lui prend combien de runes tout ça? C'est l'effet descriptique et cinématographique, hein, donc ça lui prend quelques secondes, mais le temps se fige pour que je puisse placer ma description. Le cri de démence de Volzik se mure dans un rugissement de bête. Ah, c'est assez cinématographique et il les place comme ça. Ça veut dire que il y a un moment suspendu, on va dire. Donc okay. Il se passe la description narrative comme dans le film, quoi, où tu vois la chose et tu regardes un petit peu bouche bée, quoi. Avec un déclic humide, sa moelle épinière distendue, ça va chier le long de sa jambe comme une queue noire. Des tubes émergent de son dos, son épiderme malmené finit par se rompre, révélant un monstre au crâne lisse, cylindrique, sur lequel est encore plaqué le visage de Volzik. Elle a un masque morbide. Se débarrasse de sa carapace de chair, le nez glisse le long du crâne noir, les yeux fous tombent de leurs orbites d'ébène et roulent par terre, à leur place le néant, deux abîmes stygiens, là où devraient se trouver les globes oculaires enchâssés dans un crâne à gueule d'acier au bout d'une longue tête incurvée. Le monstre qui était Volzik n'a plus rien d'humain, c'est bel et bien un alien.
Et c'est à Yona d'agir. Alors que il entend certainement un cri dans les coms, un cri inhumain, celui de Voljzik, et se demande ce qui se passe à l'intérieur. Et le mien, accessoirement. Tu vois que les deux ont réussi à ouvrir la porte, et ils se précipitent à l'intérieur, et tu vois que Mason vient de sortir, il s'affale dans la neige. Mason est clairement en danger. Ouais, je shoote les gars de manière à déjà les détourner de Mason, mais en tout cas d'en tuer un, potentiellement. Vas-y, je te laisse faire. Je vais les placer. Ça passe. Tout juste. Ok. Donc t'as réussi à en toucher un, mais tu vois que bah tout de suite il se met à couvert le long de la maison, pas suffisamment bien abrité pour que tu puisses le toucher au tour d'après encore, mais ça ne le tuera pas, en tout cas ça l'empêchera de se présenter devant Mason, quoi. Mais il y en a un qui arrive clairement sur lui. En action rapide, moi je crie Mason, Mason, derrière toi, Mason, retourne-toi. Est-ce que je tilte moi dans ma conscience? Oui, tu vas pouvoir tilter. T'avais fait un quoi? T'avais fait un 11. Non, un 9. Parce que j'ai un moins 2 moi, systématique, mais que j'arrive pas à le mettre dans la jetpack. Non, mais tu l'as, Eloué. Hein. Dans ton G, quand tu regardes ton score, t'as le moins 2. T'as le moins 2 qui compte, ouais. Ah d'accord, ok. Mmh. Ok. Donc en fait, le test de panique, c'est le test réel avec le malus. Pas le bonus du coup. Parce que moi à chaque fois je vais enlever moins 2 mais du coup c'est pas nécessaire. Non c'est pas mis. Je le vois pas. Il est pas. Non il est pas mis. Sur le panier. Donc tu dois faire moins 2. Tu as 6 plus 7, moins 2. Ah oui, t'as raison, c'est marqué moins 2, exact, ouais. Attends, je regarde lequel, celui-là c'est... Ah non, je regardais celui de Hammer, bah oui. D'accord, ok. Bon maintenant faut que je lise comme ça. Je peux réagir à ce qu'il me dit ou pas? Oui, tu vas pouvoir réagir. Alors, par contre, pour toi, ton danger premier, c'est cette créature qui est dans la maison. Donc, tu dois fuir de cette maison le plus vite possible. C'est ce que j'ai déjà fait. Je t'avais dit que je m'accroupissais dans la neige pour manger de la neige, mais en ce moment, ton objectif est atteint. Tant que tu te rapproches pas de cette chose qui est à l'intérieur. Oui, mais les informations de Yona sont nouvelles pour moi. Ah oui. Parce que là, ça fait un petit moment maintenant, entre ce qui s'est passé avec Hammer et Chaplin et Wozzik. Mm-hmm. Ça fait un petit moment que je suis dans la neige en train de la manger, là. Peut-être qu'il s'est passé autre chose depuis. Je sais pas. Mais en tout cas, il faut que quelqu'un arrête ta panique si tu veux changer. Ah oui, toi, c'est un round, de toute façon, ton truc. Donc ça veut dire que maintenant, tu n'es plus obligé de fuir. C'est suffisant. D'accord. Donc du coup, alerté par les cris de Yona, je me retourne pour voir justement ce qu'il m'annonce. Mmh. Donc là, de toute façon, il n'y avait pas de souci. Hein. C'était tu pouvais agir dans cette configuration-là. Donc tu vois effectivement qu'il y a, il vient d'arrêter un gars, un shoot, qui vient de se plaquer au mur, qui est blessé. Mais il y en a un deuxième qui arrive, qui est presque surpris, comme s'il venait de te voir, quoi. Donc il braque son flingue vers toi. Bah pareil. Que le meilleur gagne. Le duel. Et si je peux, je tire. Tu vas pouvoir tirer parce que ils sont lents. Quel enfer. C'est un truc de dingue quand même. En plein là, il y a du dé. Avec tous ces jets jaunes, fou. Heureusement que t'as un moins 2 quand même pour le coup. Ah oui, heureusement. Hurlement, vous hurlez à plein poumon pendant un round et perdez votre action lente suivante. Donc ça veut dire que tu vas pas pouvoir tirer. Votre niveau de stress baisse de 1. Mais pour tout personnage amical qui vous entend hurler gagne un point de stress. Ça veut dire que tout le monde gagne un point de stress parce que vous avez tous dans les coms Mason qui hurle. Attends, mais je suis à 9 là, c'est pas possible. Je suis à 8. Je viens d'en perdre un, heureusement, mais sinon je suis à 9 aussi. Je sais pas de quoi vous parlez.
Donc là, aucune action, rien, je suis encore... Alors, en état, tu peux fuir encore. Ah bah oui, go, hein, je vais aller manger de la neige plus loin, ouais. Alors, j'ai pas fait le deuxième, celui qui est blessé. Alors évidemment, bah moi, je vais fuir dans la direction opposée, c'est-à-dire par là, même si je suis sûr que ce soit pas une bonne idée, tu vois. Bah, disons que tu vas avoir du mal à escalader le mur. Bah, faudrait pas que je tombe en face de l'autre, surtout. Et pour là, moi, je suis en full panique, hein, faut pas se leurrer, hein, je suis beaucoup trop stressé pour... Et là, ça va être à Volzik. Elle change pas son tour d'initiative avec moi parce que je l'avais pris tout à l'heure. Elle me le rend pas. Hop là. Alors ça c'est un dé d'initiative pour Volzik parce que maintenant elle a deux attaques. La deuxième attaque. Ah bah oui c'est vrai. Ouais. Bah c'est même plus Volzik là. Que je vais placer ici. Donc en fait il va avoir Volzik, Chaplain. Un gars qui est à l'extérieur et Revolzik. Après, elle est toujours en train de cramer. Ça lui refait des dégâts à chaque round. Ça va lui refaire des dégâts. Tu vas voir relancer les dés à chaque fois. Quoi. Donc ça peut très vite peut-être. Mais là, elle va attaquer quand même. Alors. Forcément, elle va se jeter sur Hammer, qui est juste devant. L'enclume se jette contre le marteau. En train d'hurler. Oh, puis moi j'ai 9 stress, moins 2 en agilité. Non, là tu vas en avoir un dixième parce qu'elle va te foncer dessus. Sur ses pattes. Alors avant de te foncer dessus, elle va pousser un cri, une sorte de hurlement, un cri hyper strident qui va retentir dans les coms. C'est pas que tu vas stresser, c'est que tu vas faire un jet de panique. Okay. Vous allez... Non, c'est que sur toi, en principe c'est ciblé sur toi, donc tu vas faire un jet de panique. Directement. Ça sera sa première action. Elle est gentille. Scream. You scream. Bah, j'ai 9 en stress, forcément. Et bah, tu vas aller manger de la neige aussi. Mais attends, mais... Mais ton niveau de stress baisse de 1. Wow. On prend tous du stress, nous. Mais tous les personnages amicaux qui vous entendent hurler doivent immédiatement effectuer un jet de panique. Donc ça veut dire que tous les autres, vous faites un jet de panique. J'aurais dû couper les communications. Ah ouais, bah ça fait peur un alien. On se sauve quand on voit un alien. Même quand on est un Marines. Mètres, je prends du stress à chaque fois. Alors là, vous prenez pas de stress, c'est juste le jet de panique. Donc pour Mason, il est à 10, bah il est toujours... Là. Ah, Mason, tu vas te figer contre le mur, là. Parce que là, t'es figé par la peur. Elle te paralyse pendant un round. Il est à 2, il est à 8, lui. Hein. Ouais. Oui. Si je reprends pas là, je suis à 8. Ok. Non, je suis vraiment à 10. Hein. Le moins 2 est déjà. Ah ouais, le moins 2 est compté. Ah oui. Donc c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Donc t'es bien à 10 et donc. Donc tu vas être figé. Moi je lance aussi le jet de panique. Ouais. Impec. Même si t'es loin. Parce que ouais. T'es du genre à paniquer. Il y en a 10, ouais, tu pourras pas agir au prochain tour. Donc, et je me prends un point de stress, moi. Et votre niveau de stress... Ouais. Alors, on avait dit qu'on le faisait pas, parce que sinon ça pouvait vite tourner en rond. Donc, on avait dit qu'on prenait juste un effet de panique. Mais ah si, ça tu peux le prendre. Mais c'est si ça redéclenche une panique, on a dit que ça le faisait pas. D'accord. Donc parce que là... sinon, on pouvait tourner en rond pendant des heures. Donc là, tu prends le point de stress. Mais, et je perds ma prochaine action lente. Ouais, c'est ça.
Tout va bien. C'est bon pour tout le monde. Hammer, t'avais fait aussi 12 à Baby, c'est Hammer. Bah non, parce que moi. Tu vas crier après en partant. Quoi. Pour le moment, c'est pas à toi, mais. Oui, mais moi, j'ai fait mon test. Ouais. Donc, du coup, c'est à Chaplain. Stoïque. Il est où, Hammer, là? Hammer, il est juste à côté de toi. Pour le moment, il est pas bougé, mais tu l'entends hurler comme un malade, comme un démon. Mais je balance le lance-lame. Hein. Ouais. Avec on n'a pas refait ses dégâts en fait. Tu vas pouvoir les faire après. Je pense que il faut les faire après quand okay. tu as agi. Parce qu'en fait, ils augmentent à chaque fois. Ça veut dire que tant qu'il se prend des dégâts de feu, maintenant la puissance va être de 10. Tu vois. Ok. Bah je rebalance un coup de lance-flamme à fond des ballons. Et si Hammer il se fait cramer la moustache au passage, tant pis. Hein. J'ai plus 2 du coup, encore. Alors, si plus 2, moins 2, sauf si tu t'en fous de Hammer. Quoi. Je m'en fous de Hammer. Enfin, c'est pas que je m'en fous de Hammer, c'est que l'objectif pour moi, c'est d'abattre. C'est d'abattre le truc. Puis, comme avant, de toute façon, il est un peu démonétisé, Hammer. Là. Ouais, heureusement, c'est réussi. Mais ça chauffe. Base 10 cette fois. Cette fois, tu fais une base 10 ouais, pour le feu. J'ai au moins un avantage, moi, c'est que mon oreille gauche n'entend pas le pshhh du lance-flamme. Haha. Ah, ça brûle. Hein. Ça brûle un peu quand même. Hein. Voilà, ça brûle un peu. Tac. Mais tu vois que cette chose s'est relevée et descend les escaliers maintenant. Le gars qui est ici va se rapprocher du coin de la maison, comme ça. Et J'avais pas une deuxième action possible. Non, c'était une action lente si je voulais donner un commandement, c'est ça? Tu peux faire. La seule chose que tu peux faire, c'est du mouvement, quoi. Je me recule un tout petit peu. Enfin, je me mets. Pour pas être à sa portée vraiment, je me remets dans l'angle ici, quoi. Pour être près de la sortie. Tu vois, mais pour l'avoir toujours en. Pour pouvoir toujours la cramer quand même. Ok. Tu vas tomber nez à nez avec le gars. Qui arrive au coin. Ça, forcément. Je le sais pas, moi. Et donc il commence à te regarder. Tu fais quand même un test d'observation pour voir si tu le sens arriver dans ton dos. Ouais, non, tu le sens. Que dalle. Je suis trop concentré moi sur Vosjcik là. Enfin, ce qui était Vosjcik avant. J'essaye de la cramer comme je peux, donc je regarde pas mes arrières. Il arrive à te toucher, tu prends 2 dégâts. Ta protection avant. Ta protection, bon, tu peux lancer tes 6 dés pour essayer de minimiser ces 2 dégâts. Si pas, il va falloir que j'aille sur la table des synthétiques pour voir ça arrive. Bah c'est bon là. Bah s'il y a une table. Ouais. Bah y a même pas de table, à mon avis tu dois te caler dans le coin du mur au moment où tu le vois arriver comme ça aussi, et puis tu te prends peut-être des balles dans. Sur le flanc et tout, mais l'armure protège bien à cet endroit-là. Il a été peut-être surpris aussi. Et donc, je sais pas si je l'ai vu, mais en tout cas, le mur me protège. Ouais. Tu l'as vu, tu l'as senti aussi, hein, parce que tu te prends des balles dans le gilet. Et en fait, c'est le gilet qui encaisse tout. Quoi. Et puis cette partie du mur. Quoi. Donc du coup, tu es sauf. Tu vas pouvoir continuer à te battre. Et donc, Vosjcik, j'échange mon initiative à Vosjcik. Pardon. La Vosjcik se rue sur toi. Tac. Ah non. Ouais. Je vais en perdre mes couleurs, moi. Ouais.
il fonce sur toi et tu vois qu'avec ses deux poings, elle te met un gros coup comme ça dans le torse, mais t'arrives à reculer. Alors, y a ton arme, tu la traînes d'une main, quoi. T'arrives à reculer maladroitement et puis elle te touche pas. Mais je pense que je sais même pas de l'esquiver en fait. Comme je suis déjà en direction de la sortie pour aller me barrer, tellement je suis paniqué. C'est peut-être ça qui te sauve. Bah ouais. Je suis à moitié tourné vers la sortie. T'es à quatre pattes, oui. Bon, je suis alors, comme je peux. On va rapprocher. N'oublie pas que toi, t'en avais pas la possibilité, Amer, parce que toi, ton objectif, c'est de sauver. Mais vous avez la possibilité de bloquer des adversaires humanoïdes. Si vous avez de quoi bloquer une de leurs attaques, quoi. Ça veut dire que vous pouvez essayer de contrer. Donc, en opposant un test de combat rapproché, quoi. J'en suis plus là, à mon niveau. Non, t'en es plus là. Mais tu viens de faire gagner du temps parce que tu viens d'éviter son attaque. Et donc, du coup, c'est à toi. Tu vas pouvoir partir. Mais comme elle est au contact avec toi, tu vas devoir faire une épreuve de mobilité pour pouvoir lui échapper. Oh, super. Et comme je suis en moins 2 en agilité... Mm. Bon, bah alors, attends, moins 2. Okay. Où est la fenêtre ? Ouais, ça panique. Vas-y. Il faut pas. Faut juste que tu ne paniques pas de manière à rester figé, quoi. Ouais. Bon, tu vas t'effondrer par terre, tu vois, ça va remplacer. Bah, ça va être compliqué. Alors attends, panique. Ouais, c'est de... Psychose. Vous devez immédiatement attaquer la personne ou la créature la plus proche, amicale ou non. Vous ne vous arrêterez pas tant que vous ou votre cible n'est pas brisée. Tout personnage amical qui assiste à votre crise meurtrière doit immédiatement faire un test de panique. Donc, comme il n'y a que Chaplin, c'est... ça va. Et Vodjik, elle ne doit pas faire de test de panique ? Non, ça va. Ce n'est plus vraiment Vodjik. Et c'est quoi la créature la plus proche ? Mère, hein ? Là, c'est Vodjik. Donc là, tu pars sur un combat à mort avec Vodjik. Oh, l'autre, il allait vouloir m'attaquer. T'as de la chance, tu t'es éloigné, t'as fait du recul. J'ai fait un petit recul tactique, et bienvenue. C'est sûrement le meilleur choix depuis le début du scénario. Enfin, je vais pas lui faire grand mal à Wojcik. Hein. Mason, tu te fais prendre à partie. Pour l'instant, il y a que moi qui lui ai fait des dégâts, je vous signale. Par le gars qui est ici. Le deuxième insurgé, pas celui qui a tiré sur Chaplin, le deuxième. Mais du coup, Botos, il est vraiment là encore ou pas? Botas, tu vois rien, mais tu vois une traînée de sang dans la neige un peu plus loin. Quoi. D'accord, ok. Donc, ok. Prendre la partie, c'est-à-dire qu'il tire. Tout quelqu'un a dû ramper. Ouais, qui tire. Uf. Et il arrive à te toucher, tu prends 2 dégâts, mais t'as ta protection qui peut minimiser le coup. Si t'arrives à faire 2, tu ne prends rien. Je fais un clic de protection, c'est ça? Parce que j'ai 6, mais... Ouais, c'est ça. T'as juste à cliquer dessus, ça lance automatiquement. Donc là, tu vas encaisser un de dégâts, donc tu prends que 1. C'est bon. Et c'est Ayona. Donc j'ai perdu mon action lente, mais là, c'est bon. Je peux agir. Est-ce que j'ai quelqu'un en visuel? Celui qui vient de tirer sur... les deux, tu les as en visuel. Celui qui est à la porte, qui a tiré sur Chaplin, et celui qui vient de tirer sur Mason, tu les as tous les deux en visu. Bon, bien comme il faut. Tire sur celui qui vient de tirer sur Mason. Allez, vas-y. Est-ce que je peux prendre une action rapide pour viser? Oui, là, t'as... Alors, t'es juste en train de trembler, quoi. Oui, c'est pour ça. Non, mais c'est pour éviter d'avoir moins 4 sur mon G. Hein. Oui, tu peux. Parce que j'ai toujours le blizzard, donc ça me fait que moins 2. Ouais. Oh putain. Personne ne veut regarder la photo de sa femme et lui faire un bisou. Non, mais bon. Bah, maintenant, ça a monté le stress. Hein. Mais bon, ça, on ne peut le faire que dans les périodes de creuse. Non, en fait, ça, tu peux le faire dès que c'est une action. C'est une action rapide, donc tu peux le faire n'importe quand. Le seul truc, c'est que si tu le fais, tu le fais pas tous les 2 minutes, quoi. Bon, en tout cas, je lui fais quand même 3 de dégâts.
Alors, ce que je vais faire, je vais prendre 2 dégâts, mais je vais le faire. S'il chute, il faut une action lente pour se relever ou pas ? C'est une action. Se relever, c'est une action rapide. Donc, il pourra tirer quand même. Ça vaut pas le coup alors. Bah, je lui fais 3 de dégâts. Pas déjà entamé. Un chargeur. Ah oui, j'ai enlevé mon chargeur. Et donc ça sera une action rate pour recharger. Je crois que c'est ça. Oui, pour recharger, c'est une action rate. Mason. Oui, ben si je peux tirer, je tire. Hein. Je vais pas pouvoir tripoter mon jouet. Hein. Donc j'envoie sur celui qui m'a tiré dessus. Hein. Dès que je comprends, je balance. Tu étais paralysé pour un round, donc. Oui. C'est bon. Si je peux tirer, je tire. Ouh. Enfin une justice. Ouais. Dis-moi comment tu le. Ah merde, j'ai pas fait avec mon combat. Pardon, excuse-moi. Ouais, mais bon, je pense que tu vas mettre tout sur les. Même en mettant tout sur les dégâts, je pense que tu vas le découper en rondelles. Ah oui, de toute façon, là, maintenant, je fais pas dans la finesse. Hein. Oui, puis t'avais pas fait de facehugger, donc. Je me suis trompé, excuse-moi, j'étais parti ouais, sur. Ouais, c'est que t'avais un dé de bonus. Ouais. Donc c'est des dégâts. Mais t'aurais eu un dé de plus, quoi. Ouais, c'est pas grave, c'est suffisant, là, je pense que ça va être suffisant. Et donc, tu lui envoies une rafale qui le. Il met à terre tout de suite, quoi. Plouch. Tombe dans la neige, dans une gerbe de sang. Il ne reste plus qu'un. C'est à Volzik. Elle est encore là. Allez. Elle essaye de t'attraper, Hammer. Elle essaye de t'attraper par la tête. Et tu vois qu'elle essaye d'enfoncer ses doigts dans tes yeux pour lui, pour te crever les yeux avec ses pouces. L'attaque inflige au moins un dégât et elle provoque automatiquement la blessure 34, même si tu n'es pas brisé, donc même si tu n'as pas perdu tous tes... Bah là tu vas perdre tout puisqu'elle te fait 2 de dégâts, donc il t'en restait 2, donc tu vas tomber. Et donc tu prends la blessure numéro 34, ça veut dire que tu as un œil crevé. Donc... Donc une oreille qui n'entend plus, un œil crevé, bon bah. Tu peux essayer de bloquer aussi ce truc. Comme de toute façon t'es engagé au corps à corps, tu vas plus essayer de te sauver. Donc ton action de rapide, tu peux l'utiliser pour. Ouais. Ok. J'ai quand même enlevé mes 2 points, hein, on est d'accord. De santé. Et tu me dis qu'est-ce que je dois faire ? Tu dois faire un combat rapproché. Pour essayer okay. de. Et j'ai pas de malus. Ah, attends, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est bon, hein? Ah ouais. Il enlève 2 dégâts de base, enfin il y a le dégât de base et la réussite supplémentaire, il en fait sauter 2, il a pas de. Il bloque le truc en fait. Ouais, alors attends, je vais regarder parce qu'il y a quand même 2 facehuggers. Là il n'y a pas de chargeur à vider, donc là il va paniquer. Donc tu peux faire un test de panique là. Il y en avait déjà un au-dessus dans la description. Ah oui, puis tu devais déjà en faire un aussi. Ouais. Quelle description ? Ouais, t'as la blessure 34 et tu dois faire un test de panique immédiat. Ah ok, alors j'en fais 2 alors. Est-ce qu'il peut quand même paniquer alors que le dernier jet de panique lui a le bloque sur un. Ouais, bah parce que ça, en fait. Mais est-ce que je peux paniquer alors que je suis en mode berserk ? Enfin, je veux dire, ouais, en fait, je suis même pas en train de réfléchir, donc j'ai même pas de panique puisque je suis complètement. Oui, parce que en fait, c'est moins. Tu vois, c'est un degré qui est inférieur à celui que t'as déjà. Donc, en fait, tu restes dans le mode berserk. Oui, c'est ça. Donc, en fait, tu continues comme t'étais en train de te battre. Quoi. Oh. Alors.
Alors je regarde le blocage. Ah bah de toute façon maintenant donc, je suis dans un combat à mort. Enfin, j'arrive alors à attention toucher. Parce que t'as fait deux réussites, donc ta deuxième réussite, moi je pense que tu peux l'utiliser pour réduire les dégâts. Dans ce cas-là, tu retires des dégâts de l'ennemi. Ou tu peux contre-attaquer. Donc peut-être que dans un truc berserk, alors moi je vais contre-attaquer, ouais, ça serait la logique, mais ça veut dire que tu tomberais à la suite de ce. Oui, de toute façon, si j'ai plus d'yeux et une oreille, bon, en même temps. Donc je fais quoi? Donc du coup je vais la. Donc ça veut dire que tu contre-attaques, donc tu fais un combat rapproché. Mais tu ne peux faire que des dégâts, ça veut dire que tu peux pas faire d'effet supplément. Ah non, tu pourras infliger que tes dégâts, quoi. Mais je tire avec le smart gun. Voilà, dès qu'on nous dégâts. Après si tu tires avec le smart gun, tu vas avoir un moins 2 à l'agilité, plus le moins 3 parce que t'es au corps à corps avec elle, ça va faire un moins 5. Ah non, je suis pas à moins 2 à l'agilité puisque je suis en combat rapproché, elle est au plus près de moi, quoi, je peux pas faire. Ouais, ouais, mais t'es... c'est de la force. Donc ouais, c'est vrai. Il faudra que je regarde ça de plus près. Hein. Je pense que là, c'est simplement tu es au corps à corps, tu cognes en réponse. Mm-hmm. C'est ouais. Pour ça. C'est pour ça que c'est de la force, donc c'est pas de l'agilité. Oui, donc c'est pas du tir que tu vas faire, c'est tu vas taper avec tes poings, avec ta crosse. Ah ok, d'accord, ok. Donc c'est un combat rapproché, donc effectivement. Mm-hmm. Ah ben non, c'est bon, combat rapproché, ok. Donc tu vas pas faire beaucoup de dégâts, quoi. C'est ça que ça veut dire. Parce que t'as juste une crosse de fusil, donc le ouais, maximum mais ça que tu vas faire, c'est berserk qui fait mm-hmm. tout ce qu'il peut pour la dégager ou la faire reculer ou. Mm-hmm. Allez, ça me paraît logique, hein. je fais ça. Et je repanique. Voilà. Je fuis. Bah ouais, mais ça va être compliqué d'être berserk et de fuir. De toute façon, c'est moins que tes 14, donc on reste sur les 14. T'as réussi à la toucher quand même en te défendant, tu lui as mis des coups, t'as frappé de toutes tes forces avec ce que tu pouvais et comme tu pouvais, et t'as réussi... Elle a touché et. Ah, mon stress baisse de 1 quand même. Je vois que. Ça ne sera pas suffisant pour lui. En fait, il n'avait même pas besoin de faire de jet là. Parce que c'est son premier jet de parade en fait. Tu prends ses succès qu'il avait pour annuler les dégâts de votre âme, ou alors faire des dégâts en contre-attaquant. En attaquer en infligeant à l'assaillant un nombre de dégâts de points égal à la valeur de dégâts de votre arme. Mmh. Ouais, ça veut dire que tu fais directement les dégâts de ton arme. En fait, c'est ton deuxième coup d'éclat, donc t'avais même pas à retirer les dés, ouais. C'est vrai. Ok, vous m'avez déjà perdu, donc ouais. Je vous fais confiance. C'est juste que du coup, t'as pas relancé, donc tu peux pas te retirer la panique. Ouais. Tu peux pas te retirer de panique, mais par contre tu vas tomber, donc tu vas pouvoir... En fait, comme il a eu deux succès, il a réduit de 1 les dégâts causés par l'adversaire, et le dégât supplémentaire, mm-hmm. il l'a infligé à l'adversaire. Voilà, c'est ça. Et tu tombes. Il est très surévalué, ce hammer. Avec un œil crevé. Non. Et une oreille en moins. Et une oreille en moins. Mais tu vas pouvoir ramper encore. Il n'est pas mort, c'est à Chaplin. Il n'est pas mort, ce qui a jamais. L'autre, il est au corps à corps avec moi, le mec derrière là, il est vraiment en contact. Ouais, là, tu où il est caché, où il est. Il est calé contre le mur, lui, il s'est peut-être reculé un petit peu. S'il revient à l'assaut, forcément. Du coup, je vais profiter que Hammer est au corps à corps avec Vokshik et que lui, il est décalé et je vais piquer un sprint à l'intérieur de la salle, par ici. Ok. Tu me dis jusqu'où je peux aller? Tu peux aller jusque là, alors potentiellement. Enfin, mon idée, c'est d'aller vers la trappe. Hein. Ah, d'aller vers la trappe carrément, donc ouais. Tu peux aller sur la trappe. C'était ici, hein, à peu près. Ouais, quelque part par ici, quoi. Non. Ouais. Donc tu peux sauter dans le trou, quoi, après bah, bon, voilà, tu auras tabaissé pour y aller, quoi, mais j'y vais, je saute dans le trou, ouais, si je peux. Ok. Du coup, ça va être ma seule action, je pense. C'est ce deuxième gars qui va rentrer en espérant te voir, mais qui va tomber nez à nez avec la créature qui est devenue Volchik.
Et donc, on entend des coups de feu, tu entends des coups de feu, Chaplain. Il essaye de tirer, mais t'entends ces hurlements de cris de terreur. Bon, cette chose se dirige vers lui. Mais tu peux faire tes dégâts aussi. Le feu est toujours, Le feu est toujours là. Et donc, comme tu avais fait encore des dégâts de feu, c'est 11 maintenant. 11. Et ben voilà, on va l'avoir. On va cramer à force. Allez, 0 en encaissement. Elle fait ça sur cet adversaire-là. Bim. Vous voyez que ça peut faire mal les créatures. Ça veut dire que là, elle a fait une attaque, elle lui fait un dégât et elle refait une autre attaque derrière gratuite. Et donc pour lui marteler le crâne alors qu'elle vient de lui sauter dessus. Clac. Et... Bon, les dégâts de feu, c'était 2. Et quand même ça, protection. Et ben ça fait 2. Et ça fait 2. Est toujours là. Yona voit cette chose. La voit dans ton viseur. Elle est à la porte. Elle est en train de fracasser un gars qui est sur le sol. Bon, action. Là, ça va être terrible parce que je vais avoir un malus énorme. Parce que mon action rapide, déjà, c'est de recharger mon arme. Est-ce que je peux prendre une deuxième action rapide? Ouais, elle va se barrer 50 fois. Je tente le shoot quand même. Allez. Mais là, on la voit, elle est sortie, elle est dans la porte. Yonal, toi, tu la vois pas. D'accord. Mais Yonal, lui, peut la voir parce que la porte est ouverte et elle est juste devant, dans l'encadrement de la porte. Quoi. Ok. Hammer, tu peux ramper. T'as toujours cette possibilité-là hein, de ramper, donc tu peux te mettre. Tu peux aller vers la porte, tu peux te mettre quelque part par là, quoi. Tu vas pas aller très loin, quoi. Mais... vers l'escalier. J'aurais monté vers l'escalier, oui, c'est ça. Ouais, je sais pas si... Bon, je tire à moins 4. ça passe. Je plaque un tir. Merde, j'ai pas pris le bon. Ouais, t'avais peut-être un bonus en plus. J'avais un dé de plus. Pas la peine de le faire parce que tu viens de tirer. Je sais pas où t'as réussi à la shooter, mais tu vois que Volzik, en tout cas ce qu'il en reste, vacille et s'effondre sur le sol, fumant encore, fumante du feu qui est en train de la brûler de l'intérieur. Alors je crie dans les coms, cible abattue, Volznik abattu. Ouais, moi j'y crois pas. Elle va se relever. De confiance, ça m'énerve. Je démissionne. Elle va se relever. Reste focus sur la cible. Elle va se relever. Elle bouge plus, je la quitte pas des yeux, elle bouge plus. Cible abattue, elle est où, je la vois pas. Porte d'entrée, elle est en porte d'entrée, cible abattue. Des insurgés. Il y a encore des insurgés, là. Vous êtes... Alors, les insurgés, il y a des insurgés. Tu vois que ceux qui étaient au mur, tu les vois plus du tout. Donc, t'imagines qu'ils ont passé au-dessus du mur, Yona. Tu avais tourné ton attention et tu vois qu'il n'y a que le véhicule et tu les vois plus, eux. Donc, c'est qu'ils ont dû se barrer. Et Jmieszewski vient de réessayer de forcer l'entrée. Et cette fois, il vient de réussir à rentrer avec le véhicule à l'intérieur, renversant le gars qui était juste là, qui avait quitté aussi son véhicule pour essayer de temporiser, essayer d'attendre le Jmieszewski pour lui tirer dessus. Et il vient de se faire écraser par Jmieszewski et le véhicule qui rentre à l'intérieur. On va arrêter ce combat-là, mais tout le monde est encore dans la panique. Hein. Ça veut dire que le combat est terminé, mais il va falloir calmer tout le monde. C'est que tu veux dire les trucs jaunes là qu'ils ont? Ouais, les trucs jaunes qu'ils ont. T'as Hammer, bon, qui est à moitié mort et
et paniqué avec un œil en moins. Et puis t'as Mason qui est aussi tout tremblotant. Alors t'es arrêté avec un Dante aussi qui est complètement cinglé au-dessus. Ouais, et puis Yona qui est pas forcément très bien non plus, quoi. Vous êtes pas bien, vous êtes tous fébriles. Bon, ça, c'est un peu logique malgré tout. Non, pas tous. Mais moi, ça va. Petit à petit, vous allez vous rendre compte que le combat est terminé. Il n'y a plus de tirs, il n'y a plus de cris, plus de hurlements de cette créature qui résonne dans vos têtes. Et vous avez survécu, pour bien que mal. Moi, je fous dans ma poche et je tripote mon objet là pour essayer de me foutre. Ouais, tu peux regagner un point de stress. Oui, c'est ça, je remonte à la surface. Tu vois tout de suite que Chaplin, que les constantes de Hammer sont très faibles. Mais Yona, ma première action, c'est quand même de recramer le ce qui reste. Ouais, ouais. Alors Yona va peut-être réagir et dire quelque chose avant quand il a touché. Je sais pas si quand tu la vois s'effondrer, si tu dis quelque chose dans les coms, Yona. Bah si, il l'a dit. Mais j'ai dit que j'y croyais pas, moi. Oui, c'est vrai. Allez, vas-y. Je lâche encore le lance-flamme dessus. Ouais. À fond. Le truc fumant. Il faut que je fais un jet ou non, non, là, ça bouge plus. Ça marche. Ah oui. Bah, c'est pour voir s'il grille toute sa. sa munition. Non, je grille lui, pas. Lui, il peut pas. Je ne dépense pas mes munitions. Et donc, je dépense exactement ce qu'il faut. Mais le papier pour cramer cette chose, tu vois que elle brûle, mais elle a une sorte de carapace de chitine sur elle qui fait que ça crame très difficilement, quoi. Tu sais que tu l'as brûlé de l'intérieur, mais cette carapace reste toujours là et la chose est inerte sur le sol, quoi. Tu sens que ça fait presque des chouintements à l'intérieur, comme c'est en train de griller. Mais t'as cette carapace qui est toujours là et qui reste. Alors bien sûr, c'est une fournaise ici à l'intérieur. Et que ce que t'es en train de mettre. Mais tu t'en débarrasses, ouais. Bah, je fais ce que je peux pour la réduire le plus possible en cendres. Ouais. Et en cendres, tu n'y arriveras pas à la réduire en cendres. Bah au moins, ce que j'ai pu détruire, je le détruirai. Il faudrait du temps, ou bien là, si tu veux, et tu peux. Une fois que je suis sûr que c'est vraiment réduit à néant, je vais voir Hammer après. Ouais. Allez, on va sortir de ce combat. Pour le moment. Parce qu'au bout d'un moment, tout le monde a récupéré ses esprits, vous allez vous rassembler devant le corps de cette chose. On peut faire un soin médical sur Hammer. Ouais, on voit que il est encore dans un sale état, quoi. Mais peut-être que tu peux faire des miracles une nouvelle fois. Bah oui, soins médicaux, c'est bon. Ouais, donc tu reviens à 1, Hammer, encore une fois. Ok. Bien sûr, t'as une deuxième blessure critique avec cet œil qui est crevé. Est-ce que ça va impacter. Quoique moi, avec mon arme, je ne vise pas en général. Tu vas avoir un moins 2, tu peux enlever 2 en combat à distance et 2 en observation. Ça, tu l'auras tant que t'auras meurt, tu auras. En observation, c'était déjà le cas de par mon oreille. Ouais, ouais. Alors, tu vas l'avoir, il faudra faire la distinction entre le auditif et puis le visuel. Le visuel, quoi. Donc, ça va être pratiquement tout le temps, sauf si ça va être pour toucher, quoi. Mais. Donc, du coup, l'œil crevé, ça me donne moins 2 en arme à distance. Ah oui. Pas pratique. Ah, il est nettement amoindri, alors tu vas pouvoir être rafistolé, hein, parce qu'on rafistole tout, on remet même un œil tout neuf s'il faut, quoi. Mais c'est toujours pareil, ça va durer 2 d 6 jours et puis des soins suivis, donc on va avoir les soins suivis certainement de Chaplin, mais
2 des 6 jours, ce sera trop long pour avoir j'ai un œil. J'ai le droit de demander mon évacuation sur. T'es bon pour la casse. On va me synthétiser peut-être. J'essaye de calmer Dante une fois que je me suis occupé. J'ai dû m'occuper pas mal, ou alors je demande aux autres de le faire parce que je suis trop, peut-être trop préoccupé. Trop occupé par Hammer quoi, pour le soigner. Mm-hmm. Moi j'étais dehors et tu m'avais dit que j'avais vu des traces de sang, j'ai envie de les suivre quand même. Ouais. Je suis les traces de sang, se calme et que j'ai réussi à tripoter un petit peu mon objet là, tu vois, j'ai repris un peu mes esprits et je me dis tiens, c'était quoi ces traces de sang. Ouais, tu vas suivre les traces de sang, mais tu vas t'apercevoir que le temps que tu te calmes un petit peu et que tu reprennes tes esprits, la personne qui a perdu le sang et est morte, tu vois que c'était Botos. Vous avez éliminé le chef des insurgés, quand même. Mason à tous, Botos est éliminé, Boston est éliminé. Je vois que le shoot de Yona lui a coupé l'artère fémorale en le touchant à la jambe. Et donc, il s'est vidé de son sang en une minute, quoi. Je le fouille pour voir s'il y a des documents ou... Voilà, je le fouille pour voir ce qu'on pourrait trouver sur lui. Tu trouves rien de particulier. D'accord. Il y a son arme, mais rien de notable qui pourrait indiquer quoi que ce soit de ce qu'il préparait ou de ce qu'il se faisait ici, quoi. Après, t'en as certainement une idée, quoi, mais rien de particulier. D'accord, ok. Bah, je rejoins le groupe, alors je rentre dans la maison. Et je demande aux autres où on est, Sylva. Moi, je peux monter à l'étage. Oui, tu vas monter à l'étage un petit peu plus tard. Tu vas voir que Sylva, c'est pareil, elle a reçu une blessure critique que tu vas pouvoir soigner. Mais pareil, rien qui va l'amener à la mort. Elle a juste le bras cassé. Ce qui est quand même gênant parce que voilà, ça, elle ne peut utiliser qu'un seul bras. Elle peut quand même donner des ordres. Elle peut quand même donner des ordres. Ouais, mais bon, au milieu des bras cassés, c'est normal. Dante, il a pas besoin de soins. Non, il était juste HS. Ouais, il était juste HS. Quand tu le revois comme ça, tu comprends pas trop ce qu'il a fait. Il t'a l'air d'être il est en bonne santé, quoi. Il aurait pu descendre, il aurait pu venir se battre. Tu le vois qui a l'air prostré dans son coin. Regarde avec un regard noir. Bon, difficile à dire de ce qu'il pense. Faudra en parler avec lui, mais ça sera pour la prochaine fois, certainement. S'arrêter là. Je dis aux autres que j'ai vu Jones, que donc Smifieski, il l'a pas buté. Quoi. En plus de ce qu'il a fait là en jouant l'auto-tamponneuse à l'entrée. Quoi. Ouais, moi c'est le cadet de mes soucis pour moi. Bah c'est quand même un problème. Le nombre de coups foireux qu'il nous a fait depuis le début, celui-là. Oui, mais pour le moment c'est le cadet de mes soucis là à l'heure actuelle à la minute M. C'est trivial. Bah quoi, je t'ai réparé. Ouais. Et donc la prochaine fois on passera à l'acte 2.